Question que Loïc nous a posée tout à l'heure. Pourquoi venons-nous ici? Amen. Parce qu'il y en a, déjà une sœur qui a reçu une vision, enfin le Seigneur lui a parlé, il y en a beaucoup qui ne viennent pas pour Dieu. Et honnêtement, ça nous fatigue. Et pendant la prière, on regardait depuis le local technique, il y en a un qui est au téléphone. Donc, pendant que certains chantaient, d'autres étaient au téléphone, c'est le bazar. Et très honnêtement, quand c'est comme ça, autant rester chez vous que d'aller là où les frères et sœurs viennent pour chercher Dieu et de se mettre au téléphone tandis que d'autres prient. C'est une insulte. Un manque de respect pour le Seigneur.
Donc, nous vous invitons, s'il vous plaît, à éteindre vos portables, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, pareil, pour ceux qui sont qui mâchent des chewing-gums. Donc, c'est aussi un manque de respect. Tout à l'heure, Laurent me parlait, me disait qu'il y a des gens qui sont là, qui viennent depuis quelques temps, qui voilà, sont en train de mâcher des chewing-gums. C'est un manque de respect. Honnêtement, quand cette sœur a eu cette vision, je n'ai eu qu'une envie, c'est de tout arrêter et de rester chez moi. Parce que on ne veut pas mourir avant, n'est-ce pas? Amen. Et puis aussi un conseil, quand vous venez pour la prière, pour ceux qui veulent la prière, il n'y a pas que moi qui peux prier pour les gens. Vous avez des frères et sœurs qui sont là, il faut aussi s'orienter vers ces personnes. D'accord? C'est important. Et il ne faut pas trop. Et en fait, il ne faut pas être idolâtre. Parce que c'est souvent à cause de vous, à cause des chrétiens, que des pasteurs deviennent gourous. Et c'est ça souvent le problème. Parce qu'on tire tellement sur eux, on est tellement focalisé sur les hommes, qu'ils finissent par donner des tarifs, inventer des offrandes. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on arrête. Nous voulons être des adorateurs du véritable Dieu. Il y en a qui prient, je voyais dehors, il y en a qui étaient en train de parler fortement, donc à haute voix, et ça dérangeait ceux qui étaient à côté. Vous voyez, le portable, je vous ai demandé de les éteindre, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment un bazar. Et ça, ce n'est pas correct. Et personnellement, j'ai hâte qu'on arrive au 6. Je pense même si ça continue, on va arrêter avant. Et comme ça, on va passer à autre chose. Parce que quand on enseigne aux frères la parole, quand on dit aux gens qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, il faut qu'on applique cette parole. Il faut qu'on reste sur la parole. Et si on ne veut pas l'appliquer, Dieu nous demande de passer à autre chose après. Voilà. Et si le Seigneur nous a demandé d'arrêter avant le 6, c'est justement à cause de tout ça. Parce que des chrétiens chosifient les prédicateurs. Ce n'est pas correct. D'autres, tout ce qu'ils veulent, c'est la guérison. Et Dieu, ce n'est pas leur problème. Voilà. On veut la guérison et le reste. Si les uns prient, eux, ils ne prient pas. Ils sont là, ils attendent seulement, mais c'est la guérison, vous ne l'aurez pas comme ça. Il faut d'abord aimer Dieu. Ah ouais. Le Seigneur l'a dit, hein, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ce n'est pas moi qui le dis. Les gens viennent, ils prient, ils sont dans les magouilles, ils sont dans les trafics des faux papiers, ils vivent en concubinage, ils ne sont pas mariés. Mais ils fréquentent les assemblées depuis des années. Et on a des problèmes dans nos églises. Du coup, quand Dieu envoie un ministère, quand Dieu envoie un prophète, et souvent, ce sont les chrétiens qui le tuent. Parce qu'ils sucent tellement, qu'ils sont tellement... ils le bouffent, ils le mangent. On voit souvent les mêmes personnes. « Ah, prie pour moi, j'ai cette fois-ci douleur ici. » Non, on n'est pas des... Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas des médecins. Amen. Et parfois, nous disons non, à la fin, on ne veut pas voir des gens parce qu'on est fatigué. Et souvent, les gens, ils ne comprennent pas. À croire qu'il y en a, ils pratiquent la sorcellerie pour tuer les ministères. Vous voyez le portable? Vous voyez, c'est. Honnêtement, on a hâte de passer à autre chose, je vous assure. Et souvent, ceux qui sont vraiment pour le Seigneur, qui viennent pour le Seigneur, souvent ils subissent. Alors les mêmes personnes pour qui on a prié, on ne va plus prier pour ces personnes-là qui vont faire encore la queue pour la prière. Non, c'est pas une cure qu'il faut suivre ici. Là. C'est la parole qu'il faut qu'on applique. Et puis le respect des uns des autres. Vous êtes chrétien, mais quand vous venez, il y en a qui ne se respectent pas. C'est saluer, le savoir-vivre, dire bonjour à l'autre. On a des problèmes. Hein.
Et j'ai compris pourquoi beaucoup de pasteurs vous manipulent. Parce qu'ils voient que beaucoup n'aiment pas Dieu parmi vous. Donc du coup, ils en profitent. Je vous dis. Parce que beaucoup qui sont là, même si ils sont là depuis 2 ans pour suivre les enseignements, ils vont quand même aller vers les charlatans pour donner leur argent. Vous voyez, c'est la parole ne les intéresse pas. C'est la bénédiction que les gens veulent, que beaucoup veulent. Amen. Donc, très honnêtement, il faut, vous et moi, là, moi comme vous, je viens aussi pour le Seigneur. Moi-même, je suis en train de chercher Dieu. Voyez? Amen. Donc, il faut qu'on soit des adorateurs du Seigneur, pas de ceux qui s'attardent sur les hommes. Non. Oh, c'est lui, c'est un tel, c'est elle, tout ça. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. L'homme est comme ça, là. Vous savez, quand Dieu a envoyé des juges, durant la vie des juges, les gens craignaient Dieu, faisaient semblant de craindre Dieu. Quand ce juge mourait, il repartait à l'idolâtrie. Et Dieu est triste quand il voit qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour l'adorer. Et moi, je ne veux pas voir mon Dieu triste. Et quand c'est comme ça, ben, comme je vous dis, j'ai hâte de finir pour passer à autre chose. Peut-être aller voir les frères et sœurs dans les maisons tranquillement, cachés. Parce que honnêtement, non. Il faut qu'on change. Les gens viennent, mais beaucoup ne veulent pas changer de caractère, ne veulent pas se convertir. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Comment? Voilà, c'est ça. Ok, on va vous donner le micro. On va lui donner le micro, Laurent, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je vais compléter ce que l'ami a dit, puisqu'il faut se méfier maintenant de dire frères et sœurs à chacun de nous, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la salle. Comme cela, chacun reste chez soi. On a un rapport individuel Avec avec Dieu, Dieu. voilà. Il n'est pas admissible que tous les samedis, vous répétez les mêmes choses et tous les samedis, ça se répète. Le problème de place, j'ai entendu, et tous les samedis c'est pareil. On réserve des places pour des gens qui sont au travail. C'est pas normal. Voilà. Mais je me pose la question, lorsqu'on ira devant Dieu, est-ce que les places seront déjà réservées? Et qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là? Voilà. Et là, j'ai vu une scène qui est souvent, bah, je ne viens pas, je viens un samedi sur deux, et là j'ai vu une scène où des soeurs qui sont en train de se disputer, les places sont là, elles sont... Le micro, c'est... Voilà, excusez-moi. Ouais, deux soeurs qui se Non, mais disputaient. Mais je remercie mon ami. Voilà. Eh bien, on va fermer la salle parce que comme cela, chacun sera chez soi pour prier son Dieu, pour avoir les guérisons, puisque chacun, il y en a qui viennent pour cela, il y en a qui ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu, qui ne viennent pas pour l'obéissance à Dieu. On le voit déjà pour les places. Les gens se disputent, les gens mettent des carnets sur au moins un pan de chaise, alors que les gens sont encore à l'extérieur. À la limite que la personne est en train de ranger sa voiture, qu'on lui garde la place ou qu'elle est en train de manger, oui. Mais la personne là, on a entendu, là, j'ai entendu tout à l'heure, oui, elle est au travail, oui, mais elle est en train de se pomponner, oui, mais elle arrive. Et ça ment en plus. Voilà. Voilà. Ça se dit chrétien. J'ai vécu un samedi où il y a une dame et son mari d'un certain âge qui sont arrivés un peu en retard. Et il y avait une place où il y avait un jeune homme qui était assis et on a demandé gentiment à la mère de déplacer le petit pour qu'une des personnes âgées prenne la place. Et la mère a refusé. Wow. Oui, elle a refusé. Et la mère de ce petit a présenté un frère pour lequel il y a eu une parole de connaissance qui était venu ce jour-là. J'ai encore le souvenir, Monsieur John. Et la personne va se reconnaître. Et je trouve ça inadmissible, simplement. Voilà. Parce que ce sont nos habitudes hein, des assemblées que nous avons Si, si. fréquentées, qu'on importe encore ici. On exporte encore ici, voilà. C'est vraiment dommage. Malheureusement. Voilà. Et ça me tenait à cœur. Non, c'est Honnêtement, bien. ça me tenait à cœur de le dire. C'est bien.
Et je remercie l'Éternel de m'avoir apporté l'opportunité ce samedi-là de le dire. Je vous remercie. Alors, soit vous continuez dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, et on arrête ça, c'est le dernier samedi. Moi, je passe à autre chose. Ou soit on va aller jusqu'au 6. Mais il faut que les gens, il faut qu'on arrête. Hein? Qu'on arrête de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le monde entier, n'ont pas cette grâce que certains ont de pouvoir partager la parole sur place comme ça. Mais on ne va pas tous les samedis répéter la même chose. Une sœur, comme je vous disais, que j'ai eue, Dieu était triste parce qu'il voyait que les gens ne venaient pas pour l'adorer beaucoup. C'était pour adorer les hommes, pour m'adorer. Pour... Je lui ai dit, non, moi je ne veux pas de ça. Non. On entend, par exemple, les frères qui me disent, l'équipe, tout ça, là, comment les gens se comportent. C'est le bazar. Vous avez des gens qui viennent, tout de suite, ils vont de l'autre côté là-bas pour aller servir du café, tout ça. Et ces gens-là, vous leur demandez, est-ce que vous avez déjà amené un paquet de café? Un sachet de café? Rien. C'est le bazar. C'est vraiment, c'est le monde à l'envers. Vous savez, en fait, vous donnez les choses gratuitement aux chrétiens, ils vont prendre tout le corps. Pas tous, hein, mais je vous dis, on supporte. Il y a des gens qui viennent, ils vont voir des frères et sœurs tout de suite. On veut de l'eau. On leur dit, mais c'est pas tout de suite. Ah non, on veut de l'eau, moi, parce que je suis en train de manger, il faut de l'eau. Mais les églises d'où vous êtes sortis, là, est-ce qu'on vous donne de l'eau gratuitement? Voyez? Et comme le frère disait, effectivement, on veut reproduire, et heureusement que ce n'est pas une église qu'on arrête bientôt, on veut reproduire la même mentalité. C'est pour cela que des pasteurs profitent de vous comme ça. Parce que quand il y en a qui viennent et qui vous disent, allez vers Dieu pour vos problèmes, vous vous dites, non, c'est vous que nous voulons voir. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont fatigués? Ils finissent par dire, donnez l'argent. Ils finissent par coucher avec des femmes. Je vous dis, il y en a, vous leur dites, non, on est fatigué, on ne peut pas recevoir. Ah non, 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 on revient de... Mais vous comprenez que les hommes se fatiguent aussi? Comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Voilà, l'idolâtrie. En fait, c'est plus que l'idolâtrie. C'est-à-dire, je pense à mon intérêt, et l'intérêt des autres n'est pas mon problème. Je prends et je m'en vais. Non, il faut qu'on soit correct. Je vous pose la question, on fait quoi? Voilà. Ouais, on va partager. On vous donne le micro là. Quelqu'un d'autre qui n'a pas parlé encore. Oui. Tous les samedis ici, il y a toujours des problèmes avec les places. Des personnes qui laissent des bibles, des sacs, pour réserver des places pour des personnes qui... Le monsieur l'a déjà dit. Mm-hmm. Mais franchement, ça fait honte. Mm-hmm. Ça fait honte de voir tout le message qui est donné, toute la parole qui est donnée, toute la bénédiction qui descend, de faire honte comme ça à Dieu. Franchement, il faut fermer. Puis chacun va chercher son Dieu chez soi. Parce que le salut est personnel. Ok. La sœur qui a levé la main là. Justement, si on parle tous en même temps, c'est tout ce que nous dénonçons aussi. Bonjour. Je voudrais tout simplement dire que les samedis, c'est vraiment dommage qu'on arrive, parce que nous on arrive quand même assez tôt, on habite très loin. Mm-hmm. Et quand on arrive à 9h déjà, tout sur toutes les chaises, il y a déjà des bibles, de quoi que ce soit, ou des gens qui sont déjà encore à la maison. Nous, on quitte la maison vers 6h parce qu'on habite très loin. Mais quand on arrive, il n'y a plus de place. Parce que tout est réservé pour des gens qui sont encore à la maison, qui vont arriver à midi, par exemple. Ou à 1h. Mais les places sont réservées pendant longtemps. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre la discipline, mais continuer sagement, c'est tout. Mais il faut mettre la discipline. Il faut faire asseoir les gens. Il faut enlever les bibles. Il ne faut pas faire de réservation. Et quand on arrive, celui qui arrive, il s'assoit là où il n'y a pas de place. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Nous, on est venus écouter la parole de Dieu. On n'est pas venus pour jouer.
C'est lui qui sait qu'il n'a pas, il n'est pas venu pour, il est venu pour jouer. Il rentre chez lui, sans, tranquille. On continue. D'accord? Excusez-moi. Là-bas, oui. Ils n'ont pas pris le micro, là-bas aussi, ouais. Vous voulez? Oui. Et bon, moi, et ce que je voudrais dire, ici, j'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais vu une assemblée comme ça. Et parce que je suis en face de vous, non, j'ai jamais. Je suis passé dans les autres églises. J'ai fréquenté des églises, mais une assemblée de comme ça, j'ai jamais vu ça. Je suis venu ici pendant 5 samedis. Au 5e samedi, le Satan qui était sur moi était parti. Je l'ai vu partir. Et quand je suis arrivée ici, dans la soirée, j'ai vu que j'étais debout. Il y a une dame blanche. Je n'ai jamais vu cette couleur-là. Il a une couleur extraordinaire. Et puis il y a des trucs qui sont passés comme ça, une lumière. Alors j'étais debout. Elle m'a fait comme ça. Il a dit asseyez-vous ici. Et puis au moment, il est assis par terre, et puis vous et tous les autres membres que vous avez avec vous, autour des gens là, des gens de blancs là comme ça. Alors je dis merci à Dieu. S'il vous plaît, ne fermez pas. Donnez-lui une autre chance. Quand je suis venue ici, j'étais perdue. J'avais perdu d'espoir. Jamais. J'avais perdu d'espoir. Je suis arrivée, j'étais toute seule à la maison. Je dis, si je reste à la maison, je vais mourir. Je vais monter aller trouver ma fille. Quand je suis arrivée, ma fille n'est pas là. Je suis plongée sur le canapé. Et ma fille a regardé TVDV. Et puis, il m'a apporté l'iPad. Je regardais. Je dis, Sandra, où se trouve cette église? Il dit, ah, je ne sais pas. Il dit, demandez pour moi. Il a cherché. Ils l'ont trouvé, je suis venue. S'il vous plaît. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons besoin. Nous pourrions bien rester chez nous, manger, dormir, garder la télé. Mais je suis venu ici. Eux, ils sont venus ici. C'est pour besoin qu'ils sont venus. Alors que l'Éternel va faire son travail. Vous avez un travail extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des gens là, ceux qui viennent venir là. J'ai parlé, j'ai téléphoné. Vous êtes un homme béni. Vos enfants, vous seront bénis. Et tous les gens qui sont avec vous, tous seront bénis. Merci pour l'accueil que vous m'avez fait. Merci la grâce que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. Parce que j'étais égale, j'étais perdue. Franchement, je croyais que j'allais mourir. Mais l'Éternel a dit non, tu vivras. Et tu auras côté le sève de l'Éternel. Merci. Là-bas. Ouais. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Mm-hmm. Amen. Bon, comme ils ont parlé de la fermeture, c'est pour cela que je veux parler. En fait, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a élu. Mm-hmm. Quand Dieu choisit, il n'y a rien à faire. Et la vérité est là. En voici des gens qui pleurent. Nous, on pleure. Il y a des gens qui en ont besoin. Toujours la Bible dit que parmi les brebis, il y a toujours des brebis galeuses. Ce n'est pas pour ces brebis galeuses que nous tous, on va subir. C'est vrai, on en a besoin. L'homme n'est jamais juste. Toujours. Toujours. Donc, ça dit la dame pleure. Moi-même, ça dit c'est ce que je voulais dire. Nous, on pleure. On en a besoin. Pourquoi on se promène? C'est pour cela, je dis toujours, des gens sont ensemble, mais on n'a pas les mêmes prix. Il y a des gens qui sont honnêtes. Ils sont véritablement honnêtes. Mais les compagnies, là, quand ça ne va pas, si tu as une soeur à côté ou un frère à côté de toi qui ne veut pas regarder dans la même direction, il faut t'en séparer. Amen. Sépare-toi et suis ton chemin. Amen. Donc l'homme qui est là, il est là pour nous. C'est-à-dire Dieu, c'est une grâce. Toujours je le dis, je dis c'est une grâce pour nous. Donc donnons l'occasion aux autres pour venir, parce que c'est nous qui allons être des annonceurs de l'évangile pour que des autres viennent pour en bénéficier. C'est ce que je dis toujours. Vraiment, homme de Dieu, ne fermez pas. Continuez, ce n'est pas l'homme qui vous a choisi. Ils vont faire, ils vont payer. Mais si on adore l'homme maintenant, on fait comment? Adorer l'homme, celui qui adore l'homme, il va avoir les conséquences. Mais ça, il y a un jugement. On est là pour l'esprit, on n'est pas là pour vous.
Moi, je ne suis pas là pour vous. C'est bien. Moi, je ne suis même pas là pour vous-même. C'est bien. Voilà. C'est bien. Donc, soyez bénis, mes frères. Ouais. Alain, le. Ouais. Ouais, Alain, ouais. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est partagé parce que moi aussi, j'ai hâte que ça se termine. Et d'un autre côté, il y aurait un petit regret parce que c'est vrai que, à travers le ministère que tu as reçu et que l'équipe a reçu, nous sommes vraiment bénis. Et je suis tout à fait d'accord parce que, oui, il y a des brebis galeuses, mais on ne doit pas effectivement trinquer pour ces brebis-là. D'accord ? Il y a des mois, Gérard est là comme témoin, nous avons vu effectivement des mauvais comportements. C'est vrai que ce que le dit le frère tout à l'heure, on a vu des parents refuser à ce que les enfants se lèvent. Moi, j'ai 68 ans et je suis heureux quand je donne ma place. Je ne peux pas toujours la donner parce que, bon, bah, des fois, je suis vraiment fatigué. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal que les enfants ne se lèvent pas quand il y a des personnes âgées qui sont debout. Mais ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. La Bible dit dans Deutéronome 4, 6 et 11 que c'est aux parents d'élever les enfants selon la parole de Dieu. Alors, moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que quiconque. J'ai aussi mes travers, mes défauts. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur pour le ministère qu'il a donné. C'est vrai qu'on est partagé, comme je le disais tout à l'heure. Quelque part, oui, j'ai hâte aussi que ça se termine parce que par moments, je me dis, mais est-ce qu'on ne vient pas comme on venait tous les dimanches matin aussi ? Mais ceci étant, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont connu le message que très récemment. Et ils ont besoin encore de l'entendre de visu. C'est vrai qu'on peut le regarder sur Internet. Moi, je peux le regarder sur Internet. Mais je dis, Seigneur, je vais venir toucher le pan de ta robe encore samedi. Et ce n'est pas pour me valoriser. Je ne veux pas me faire voir, comme je l'ai dit. Je ne veux pas être un hypocrite devant tout le monde parce que j'ai le micro. J'ai mes combats comme vous. Mais c'est vrai que Jésus a dit de se pardonner réciproquement. Je souhaite de tout cœur pardonner à ceux qui se comportent mal, mais parfois moi aussi mes comportements ne sont pas à la gloire de Dieu. Et donc Jésus, il a su nous pardonner, alors pourquoi ne pas pardonner et continuer jusqu'au 6, à moins que Dieu te donne vraiment une parole. Alléluia. Le frère Shoram a devancé. Ça fait maintenant 2 semaines. Vous pouvez me demander au frère Blanchard. C'est d'abord très honteux. Ça fait 2 semaines, le semaine. Même j'ai dit même à David, il faut que je prenne le micro. Mais quand j'ai vu les frères qui se sont alignés pour la prière, ça m'a retardé. Si je suis resté à côté de l'apôtre, je voulais prendre le micro en dernière minute. Frère Chora, vous m'avez dévancé. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je suis. C'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Et je vais vous donner un exemple. Vous tous, sur la 5, vous suivez l'émission des animaux. L'émission des animaux. Il y a des buffles. Tous les animaux sont en groupe. Mais le lion, il n'est pas dedans. La panthère n'est pas dedans. L'ours n'est pas dedans. Ils se mettent au bord. Ils se mettent au bord. Et qu'est-ce qu'ils convoitent ? Quand les animaux courent, ils guettent les plus faibles. Ils prennent les plus faibles. Depuis qu'on est dans cette salle, et je vois, et je remarque, il faut faire des remarques. Quand on sort, on fait des remarques. Quand tu ne connais pas le passé d'une personne, tu ne peux pas la critiquer. Et tu ne peux pas l'aimer au plus. Il faut d'abord connaître d'abord son passé. On a eu des passés. Chacun. Et ça m'étonne que les gens viennent ici pour prendre au Seigneur, pour monter dans la barque
Et depuis, ça a été annoncé ici, il nous restait combien? 3 minutes. Si vous avez oublié, le Seigneur a montré au frère Chora 3 minutes. Mini moins 3 minutes. Alors, pourquoi nous dormons? Et après la prière, j'ai horreur que d'autres encore s'alignent. Ceux qui s'alignent, ils n'écoutent pas la parole. Ça murmure. Quand je dis je suis au boulot et je cours, c'est pas pour me montrer que je m'assois là, que je sois ici au dehors. La parole pour laquelle je suis venu, ça va me pénétrer. Mais quand tu es là, les murmures, toilettes, ça dérange. Ça dérange. Et c'est pas parce que je prends le mieux que je parle, mais je pleure aussi pour l'équipe de TV de vie. Ils ont les mêmes occupations que nous. Et le frère, je ne suis pas venu pour lui, mais quand même, lui aussi, il a sa famille. Comme Dieu l'a choisi. Il donne sa vie pour nous. Et au moment où on prie, au moment où on chante, d'autres croisent les pieds. Après, ils attendent la guérison. Mais la guérison n'arrive pas comme ça. Je ne me vante pas. Quand je prie à la maison, ma femme me dit, ben allez, ils sont en bas. Je crie, parce que je sais pour qui je vis. Voilà. Et quand le frère fait les gestes, vous ne rendez pas compte. J'ai même envie même de l'accompagner. Quand tu sers ton Dieu, j'ai dit, Seigneur, que tous mes membres de mon corps te louent, pas seulement le cœur. Alors, je ne connais pas la sécurité sociale. Jamais j'ai été là-bas. Quand on disait, il y a déficit, j'ai plus mon billet de paie, je suis allé. Je dis, je vais voir ma prison de compte. Parce que je cotise. Le jour que Balé est malade, comment il va pour se faire soigner? On dit, non, ici, c'est pas la banque. Il dit, non, je cotise. Donc, je ne connais pas la sécurité sociale. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça ne veut plus de... Et en plus, je ne porterai pas d'écharpe quand il y a l'hiver. Quand je monte dans le train, les gens se tournent. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis né au chaud. Et de ne pas de bruit. Je suis né dans le bruit. Alors quand je prie, c'est avec... Il a dit, lui et moi avec force. C'est lui qui me donne la force. Alors, si on est venu là, c'est pour trouver la guérison, la délivrance et la parole. Voilà. Et il nous reste, il a dit, et c'est quoi, je l'aime, parce qu'il parle selon la parole. Avant de venir ici déjà, je sais, on dirait, on s'est connecté. Des fois, quand tu parles, quand tu prends un sujet, il dit, mais comment Dieu? Comment est Dieu? Tous les jours, s'il fallait rentrer, moi, arracher le micro au frère, je pouvais le faire, mais ce n'était pas pour vous perturber. Mais vous êtes maintenant des perturbateurs. Voilà. Vous êtes maintenant des perturbateurs. Je crois que vous êtes venus pour la parole. Alors, ce qu'on a vu dans les autres églises, si vous voulez l'amener ici, alors il est mieux que chacun reste chez lui. Ce que Dieu avait dit à Gédéon, c'est pas moi qui va vous trier. Ceux qui sont venus pour la parole, restent. Dieu a dit à Gédéon, on va croiser des géants. Alors, ben, si tu as peur, c'est pas la peine d'aller. Et j'ai dit, ah, moi, je m'assois. Sur 32 000, il en sait combien? Alors, vous êtes nombreux, si vous êtes venus pour crier, ouais. Alors, je ne désigne personne que c'est toi, que vos consciences vous grondent. Vous voyez le petit? Oui, l'enfant. Là. Le petit, il attendait des chansons. Alléluia! 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 S'il n'y avait pas des hommes, il allait le porter, puis aller là, prendre main au micro. Il entendait des chansons, et je vois, on est là, on attend le frère Chora. Non. Il dit, lui-même, il cherche Dieu. Il ne cherche, personne ne le connaît.
C'est Dieu qui nous connaît. Personne ne le connaît. Quand je vois des débats à la télévision, qu'on fait des débats sur Dieu, je dis, mais cela, mais la personne qui nous connaît, et on ne le connaît pas, on fait des débats. Et il nous attend la dernière perche. Et vous voulez faire rater d'autres. Alors, je ne cite personne. Comme Gédéon avait dit il dit, allez-y au bord de la mer. Au bord du fleuve. Ceux qui vont boire comme un chien ou tant de temps, à cela, on va s'étrier. Frère Sora, vous n'avez pas besoin d'arrêter ici. C'est celui de là-haut qui vous dit, on ne pourra pas donner l'occasion à Satan. Mais un frère, il avait veillé, il avait eu ce songe. Il m'en a parlé. Il dit, bon, je vais parler au frère Sora. On vient ici. On a fait tous faire. L'Afrique, le village, là où on met des pièges, c'est là où passent tous les animaux. Vous n'avez pas fait le village. Dans les champs, on met les pièges là où passent beaucoup d'animaux. Pour attraper quoi? Une biche. Alors là, vous n'êtes pas seul. Alors Satan, tu as échoué. Voilà. Au nom de Jésus, tu as échoué. Ce ministère va continuer. Jusqu'à ce que qu'on arrive, voilà, que le Seigneur lui-même prend la décision. L'équipe TV de vie, vous êtes bénis. 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 C'est pas parce qu'on a. C'est le derrière. On connaît la distance qui est déjà parcourue, mais on ne connaît pas le devant. Et qui va lire maintenant? Chacun va lire maintenant sa notice. Lui qui disait la notice, Dieu lui a dit le 6 décembre, on quitte ici. Chacun va lire maintenant sa notice à la maison, la parole. Et le plus souvent, ce n'est pas celui qui lit la notice. Ce n'est pas celui qui lit la notice. Il peut oublier. Mais toi, femme, toi, enfant, si le papa lit la notice pour mettre la télévision en marche, lui, il lit la notice et il met la télé en marche. Mais un jour, quand la notice va se perdre, lui qui a lu la notice, lui, il se fie à la notice. Mais toi, tu as écouté. Toi qui as écouté, pardon, il y a écouté et écouté. Quand tu écoutes avec le cœur, ça rentre. Quand tu pries avec le cœur, c'est la prière. Mais pas comme une ristale, comme à l'école primaire, on va te donner des notes. Ce n'est pas ça la prière, c'est la parole. C'est la parole. Et on a tout ici. On a tout ici. Alors que voulez-vous? Donc frère Sora, le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a conduit ici. Dit que Balé, viens là. Mais c'est celui qui vous a choisi. Il a dit. Et on a tout. On a tout. On a tout. On a tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, pourquoi viens-tu ici? Je viens ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Uh-huh. Voilà. D'accord. Je viens pour Jésus. Et d'ailleurs, le frère qui vient de prêcher là, mm-hmm. pour qui nous sommes venus, c'est pour Jésus. Voilà. Et quand on vient pour Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu viens pour Jésus, mmh. on respecte. C'est-à-dire, et c'est aussi honteux. Quand la vision descend, Azonion, il est là, il est là. Puis je vois encore d'autres. Je suis gomme. Oui. 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 Qu'est-ce qui nous empêche de se coucher? On est venu pour le roi des rois. Si c'est pour Hollande, vous allez vous précipiter, vous allez vous précipiter. Mais le roi des rois descend. Donc on est venu pour Jésus, on n'est pas venu pour un homme. Et des fois quand il dit, il prie, je vois d'autres, pour faire la prière, ils font la queue, mais si ce n'est pas le frère Sora, et quand il vous dit encore, oui, c'est bon, ils ne sont pas sûrs. Dans cette, et là, c'est pas pour me montrer. Cette nuit, quand j'ai prié, j'ai dit comme
comme nous sommes têtus, alors Seigneur, mets à cœur à ton serviteur et dis, ceux qui ont mal aux yeux, récupère la vue. Vous êtes nombreux et chacun va recevoir. Si vous êtes venu pour la guérison, mais moi, je suis venu pour la parole. Amen. Avec la parole, je peux faire. C'est comme lire une recette et ne pas savoir cuisiner. Voilà. Tu as la recette, tu ne peux pas préparer. C'est zéro. Cette parole, elle me fortifie. Elle me fortifie. Elle me fortifie. Les attaques que je vais dire maintenant aux frères, pas vous, mais ceux qui ne voulaient jamais que vous allez servir Dieu. Dans cette nuit, je priais. En même temps, parce que comme vous êtes, on est têtu. Je priais et ils m'ont pris. On m'amène. Il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où on m'amène? Au milieu des policiers, des gendarmes. Et ils m'ont dit, non, celui-là, non, c'est pas celui-là qu'on veut. Ramenez-le là où vous l'avez pris. Et ils m'ont ramené et je me suis réveillé. D'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Quelqu'un fait signe là-bas, c'est quoi? Ça ne va pas là-bas et il se passe quoi? Si c'est un problème personnel, il faut le régler entre vous. Ok. On lui donne le micro. Excusez-moi. Donc je me présente comme tout le monde l'a dit ici. Mm-hmm. Les gens prennent les places des autres. Mm-hmm. Nous, on vient de Rouen. Mm-hmm. Donc on quitte Rouen à 6h30 du matin, 7h. Mm-hmm. On est arrivé ici ce matin. Déjà, on ne pouvait pas s'asseoir. Les gens avaient mis des bibles partout. Donc on était obligé de refaire demi-tour pour revenir ici. D'accord. Donc on s'est installé, il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde explique un petit peu qu'il faut qu'on arrive à se respecter les uns les autres et écouter quand une personne parle. Et le frère parlait, et malheureusement, derrière, il y avait des murmures. Donc on a demandé qu'il n'y ait pas de murmures, et je me suis fait agresser. D'accord. En me disant que j'étais impolie ou quoi que ce soit, j'ai dit non, le respect c'est pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un âge pour dire à quelqu'un, si aujourd'hui le petit Martin veut dire quelque chose, on doit l'écouter. On n'est pas là pour dire parce qu'il a 70 ans ou l'autre a 5 ans qu'on ne l'écoute pas. C'est par rapport à ce que le Seigneur met sur le cœur de tout un chacun. Donc si on veut avancer, il va falloir qu'on mette chacun de notre cœur. Si on ne le fait pas, de toute façon, le Seigneur, de toute façon, il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut. Donc au bout d'un moment, si le 6, la date arrivera avant qu'on coupe, on coupera et puis c'est tout. Ok. Vu que les gens ne comprennent pas. Merci. Alors, je crois que on va s'arrêter là. Et on a à peu près fait le tour, voilà, donc de la question. Et oui, donc on fait le point, on arrête là pour l'instant, là, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous savez, oui, non, mais le problème c'est que, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein, s'il vous plaît, parce que ça fait aussi partie de l'ordre. Vous savez, c'est pas dans toutes les assemblées où les gens ont cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc, et tout ça, là, il faut de l'ordre. D'accord? Amen? Voilà. Donc, en fait, voilà pourquoi, pour ceux qui sont venus nouvellement également, ou ceux qui nous suivent chez eux, voyez, tous ces problèmes sont très, très révélateurs. Pourquoi nos assemblées sont dans cet état-là? C'est parce qu'il y a très peu de conversions, très peu de convertis. Voilà. Très peu d'hommes et femmes qui cherchent réellement Dieu. Le problème est à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est comme Paul disait dans Philippiens, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ.
Et pendant des années, depuis des années, on assiste à des problèmes graves au sein de nos assemblées, de manière globale. Des enseignements erronés qui sont donnés, des enseignements qui sont faits pour dépouiller les chrétiens. On le voit, vous le voyez vous-même. Mais le problème, c'est que quand Dieu maintenant envoie une parole, ici et là, ceux-là qui sont censés la recevoir afin de mieux servir le Seigneur, eh bien, ils vont beaucoup malheureusement rentrer dans la distraction. Et comme les uns les autres l'ont dit, on va se retrouver ici pour prier. Il y en a, on le voit hein, quand on est devant, et c'est très insultant. Ils sont en train de mâcher leur chewing-gum. Et on n'arrête pas de le dire. Arrêtez cela. Et souvent, tu vois les mêmes personnes. D'autres, comme on le voit, le téléphone sonne, ils sont en train de parler. On se dit, mais de qui se moque-t-on? Est-ce que vous pouvez vous retrouver comme ça devant un président, par exemple, et vous mettre, hein, dans une réunion avec un président, vous mettre à parler au téléphone? Parce que là, il est question du Seigneur ici. Donc c'est très insultant. On voit des gens qui viennent de loin, effectivement, qui viennent et qui trouvent des places qui sont déjà prises. On voit des gens qui viennent depuis des années, qui sont là depuis des années dans le ministère même, et qui ne sont même pas capables de se lever pour laisser la place aux nouveaux. Pour se retrouver parfois dehors. On se dit, mais en fait, ils n'ont rien compris. Rien. En fait, c'est toutes ces choses qui font que quand on aime le Seigneur réellement, on se dit, on est c'est lassant, on se dit, bon, on veut passer à autre chose. Voilà. C'est pour cela que vous verrez que quand un pasteur reçoit un appel, un frère prédicateur reçoit l'appel, s'il ne part pas de son assemblée après l'avoir implanté, ce sont les chrétiens qui finissent par le tuer. Parce qu'il y a tellement la pression par rapport au péché qu'à un moment donné, remarquez bien ceux qui ont bien commencé, à un moment donné, ben, ils finissent par partir dans tous les sens parce que ce sont ceux qui sont là. Parce que quand ils dénoncent le péché, les gens continuent le péché. Et ils continuent quand même à venir à l'assemblée. Quand ils dénoncent les magouilles, ils continuent à les magouilles. Ce n'est pas normal que vous veniez comme ça et pour réserver des places à ceux qui ne sont pas... Ça, ce n'est pas chrétien, ça. Non. Donc, honnêtement, ça c'est pour moi, là, je dis Seigneur, c'est le dernier avertissement. Si on voit qu'on continue encore, les gens continuent encore dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, je ne vous cache pas, on n'arrivera pas au 6, hein. On arrête. C'est clair. On va arriver un samedi comme ça, on dira c'est le dernier samedi, et on n'ira pas jusqu'au 6 décembre, parce qu'on ne veut pas que Dieu, quand la sœur a vu que Dieu était triste quand elle a reçu ça, j'étais mal. Vous pouvez demander aux frères et ceux qui étaient là, je dis, mais, et je vois effectivement, c'est, non. Il faut savoir ce que l'on veut. Nous, on ne sert pas Dieu pour la guérison, non. On ne sert pas Dieu pour l'argent, on sert Dieu parce qu'on l'aime. Et n'allez pas devant le Seigneur pour recevoir et partir ensuite. Non, c'est pas correct. Et on voit les gens faire la queue là, parfois là, pour la prière. On voit comment ils se déplacent pour... Ils veulent pas que d'autres frères prient pour... On le voit. Et souvent, c'est les mêmes personnes aussi qui font la queue pour la prière. Les mêmes personnes disent, mais qu'est-ce que vous... Comment, jusqu'à quand allez-vous comprendre les choses là? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous compreniez ces choses là? Dieu peut se servir de quelqu'un, même d'un enfant, pour prier pour vous afin de vous délivrer. Dieu fait ce qu'il veut. En tout cas, personnellement, j'ai hâte. D'ici la fin de l'année, je crois qu'on va se retrouver vraiment dans des petits groupes et pour éviter tout ça. Parce que quand on est dans des petits groupes, on se connaît mieux. On sait à peu près qui est qui. On peut mieux prier, mieux adorer le Seigneur. Voilà. Comment? Donc il faut grandir. Quand on dit à la fin on ne reçoit pas,
eh bien, à la fin, on ne reçoit pas. Quand vous allez voir vos bishops là-bas, là, quand il y a des programmes, est-ce qu'ils vous reçoivent à la fin? Soyons sincères. Mais quand on dit à la fin, on ne reçoit pas, comprenez aussi. On n'a pas le temps, pas forcément le temps, parce qu'il y a autre chose à faire. D'accord? Amen. Voilà. Vous venez, on vous donne de l'eau gratuitement, on vous donne les journaux gratuitement, et c'est la parole gratuitement, les livres, tout ça, la Bible qui va être imprimée. Vous vous rendez compte de la grâce, et les gens veulent fouler ça, foulent même cette grâce. Et désormais, quand vous allez venir là jusqu'au 6, là, à moins que Dieu me dise vraiment là tu arrêtes avant, il faut qu'on soit dans une attitude de prière. Qu'on ne vienne pas s'asseoir et s'attendre à ce que les choses se passent. Non. Venez, commencez à prier vous-même. À partir de samedi prochain, c'est prière sur prière. Prière sur prière. Là, c'est clair. Si tu n'adores pas, tu peux rester à la maison. Si tu viens ici, tu te prépares déjà en jeûne et prière pour venir prier, adorer. Voilà. Donc, si tu invites ton mari et ta femme, il ne faut pas l'inviter pour dire, viens voir. Tu lui dis, allons prier. Voilà. Et pendant la prière, là, si quelqu'un à côté commence à vouloir te parler, il faut lui dire, tais-toi. Je ne suis pas venu ici pour être distrait. Voilà. Et si on ne voit pas ça, je vous dis, on arrête. Carrément, là, on arrête, on passe à autre chose. Il y a des gens ailleurs qui ont peut-être besoin de, qui ont besoin de ça. Eh bien, on ira ailleurs et puis c'est tout. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Ok. Exode. Est-ce que nous allons d'abord nous repentir devant le Seigneur, parce que tout ça là, c'est pas correct. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous repentir devant ton trône et te donner toute la gloire, Seigneur Yeshua. Nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui nous rappeler à nous-mêmes que nous venons ici, Seigneur, pour toi. Et que toutes les personnes qui sont mandatées par l'ennemi, qui ne veulent pas de toi, Seigneur, ces personnes-là soient éclairées au nom de Yeshua. Qu'elles soient éclairées par ton esprit, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ton règne demeure parmi nous et que tu sois le seul Dieu que nous voulons adorer en ce lieu, Yeshua. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Que ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie. Au nom de Jésus. Amen. Exode 32. Et les personnes qui sont venues pour la première fois, et nous voulons bien vous recevoir, parce que voilà, nous aimons bien accueillir nos frères et sœurs qui viennent de loin. Nous sommes très touchés par votre amour pour le Seigneur, pour la vérité, et cela nous encourage également. Est-ce que vous voulez bien, juste avant de faire la lecture, vous lever, si c'est possible, afin que nous vous recevions avec joie. Merci Seigneur pour votre présence.
Soyez les bienvenus chez vous. Gloire à Dieu. Soyez encouragés. À la fin, les ministères qui sont là avec nous pourront éventuellement, si vous avez besoin de la prière, prier pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de souci. À la fin, vous pouvez aller voir les ministères qui sont là, frère Massamba, Billy et Laurent. Donc, voilà. Amen. Ok. Bien, les enfants, vous êtes sages. C'est pas facile de s'asseoir comme ça par terre. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Quand on lit cette histoire, quand on lit ces passages, on est frappé par l'incrédulité de l'homme, par la méchanceté de l'homme. Nous sommes très méchants. Très méchants. Et méchants vis-à-vis du Seigneur particulièrement. Déjà entre nous, c'est le cas, mais entre Dieu, c'est très particulier. Dieu envoie Moïse pour libérer ce peuple qui est en captivité, qui est resté captif pendant 430 ans, qui a pleuré pendant 4 siècles. Dieu envoie ce libérateur. Le Seigneur a opéré de grands miracles au milieu de ces hommes, ces femmes. Laurent, est-ce qu'on peut prendre les enfants là, pour les amener à la pièce qui est à côté, là, où on fait les baptêmes, s'il te plaît. Suivez Laurent, s'il vous plaît, les enfants. Voilà. Vous allez suivre là-bas, vous inquiétez pas. Ah, c'est bon. Installez. Parce qu'à un moment donné, ils vont... Voilà. C'est normal, en tant qu'enfant, ils ne restaient pas concentrés pendant de longues minutes. Voilà. On leur donne à boire, parce qu'on a à boire là-bas. Pour ceux qui ont soif. Dieu libère ce peuple et ils ont vu des miracles qu'aucune nation n'a vu. Ils ont vu Dieu leur parler, n'est-ce pas, depuis le ciel. Et ils ont vu des choses que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons pas encore vues. Ils ont entendu clairement la voix de Dieu depuis les cieux. Sur le mont Sinaï. Ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. Arrivé dans ce désert, Moïse s'absente pendant quelques jours, 40 jours. Et qu'est-ce que le peuple va faire? Ce peuple qui avait vu Dieu se manifester, ce peuple qui avait vu Moïse limité en tant qu'homme, ne pouvant pas répondre à leurs besoins, ils ont vu que Dieu était plus puissant que Moïse. Mais quand Moïse va s'absenter, le peuple, n'est-ce pas, va se poser des questions. Où est ce Moïse? Vous avez vu comment il parle? Où est cet homme qui nous a libérés? Dieu envoie Moïse pour les libérer de Pharaon, mais ils ont fait de Moïse un dieu dans leur cœur. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à Moïse, cache-toi pendant 40 jours. C'était ça aussi. Pour montrer aux uns aux autres l'état de leur cœur. Et l'histoire se répète, parce que l'homme est toujours resté le même. Les mêmes démons qui ont travaillé ici continuent à opérer aujourd'hui.
Ils connaissent les hommes. Ils connaissent comment l'homme est idolâtre. L'homme est méchant vis-à-vis du Créateur. Ils vont voir Aaron. Vous savez, quand ils ont vu que Moïse n'était plus là, ils ont cherché un autre Dieu. Aaron. Et ils ont mis la pression sur Aaron. Aaron était sacrificateur, souverain sacrificateur. Son nom signifie, n'est-ce pas, l'homme illuminé, l'homme éclairé, celui qui avait reçu la connaissance. Mais il va exécuter l'ordre du peuple. Et c'est là le danger. Comme je vous le disais, ceux qui tuent les ministères, ce n'est pas forcément les démons, ce sont les chrétiens. Ceux qui tuent, je veux dire, les frères et sœurs, parce qu'on est tous ministres de Dieu, ce sont les chrétiens, c'est nous-mêmes. Ils mettent la pression sur Aaron. Ils disent à Aaron, fais-nous un Dieu. Parce que ce Moïse, vous voyez, Moïse est devenu leur Dieu. Parce que ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils étaient focalisés sur Moïse, alors que Moïse avait reçu la loi pour ce peuple. Et vous avez vu, le premier commandement, c'était quoi? C'est quoi le premier commandement à votre avis? Hein? Le premier, le plus grand, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi Dieu va-t-il demander à ces hommes et ces femmes, également à nous aujourd'hui, de l'aimer de tout notre cœur? Eh bien, parce que notre cœur a tendance à aimer autre chose. C'est grave, hein? Notre cœur a tendance à s'accrocher aux hommes, aux femmes, au matériel. Et c'est pour cela que Dieu dit, donne-moi ton cœur là, donne-moi ton cœur là. Il commence par là. Le problème, c'est le cœur. Comment quelqu'un qui se dit chrétien et qui tombe dans le même péché depuis des années? Il y a un problème, il n'est pas converti, c'est pas possible. Non. Son cœur n'est pas à Dieu. Son cœur reste encore dans son corps, son cœur spirituel. Ce n'est pas Dieu. L'idolâtrie. Rappelez-vous bien que nous avons été créés pour adorer. Donc la semence de l'adoration est en chaque homme. Soit tu adores Dieu, soit tu adores autre chose. C'est pour cela que Yeshua dans Jean 4 dira à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est ici le Seigneur a parlé des vrais adorateurs, c'est parce que tout le monde est adorateur. Quand un enfant vient au monde, dites-vous que c'est un adorateur qui vient de naître. Il peut soit adorer son propre corps, adorer son pasteur, adorer son prédicateur, adorer sa voiture, adorer ses ongles, adorer ses cheveux. C'est-à-dire, on a tellement d'idoles. Adorer la nourriture, adorer le ministère, adorer même la prédication. Il y aura des surprises le jour du Seigneur. Beaucoup de surprises. Ils voient Dieu à l'œuvre. Ils ont vu que ce n'était pas Moïse, mais ils se sont dit, Moïse est notre Dieu. Et Dieu fait exprès de prendre Moïse 40 jours. Ils se sont dit, non, 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 il nous faut quelqu'un d'autre. Et ils n'ont pas cherché loin. Ils ont été prendre le frère de Moïse. Ils ne sont pas partis dans le monde, hein, en Égypte, pour prendre quelqu'un. Ils ont pris celui qui avait l'appel du Seigneur. Et ils l'ont transformé. En qui? En orfèvre. Fabricateur. Créateur. D'image. Celui qui est appelé à travailler l'or, travailler les métaux, à donner naissance aux œuvres, aux idoles. Aaron n'était pas appelé pour faire ce travail-là. Mais c'est le peuple qui l'a transformé en orfèvre. C'est le peuple. Donc, beaucoup de prédicateurs ont perdu leur ministère parce que ce sont des chrétiens qui ont changé leur vision. Parce que chacun a sa propre vision concernant Dieu. Sa propre compréhension.
Moïse, Aaron n'était pas établi pour aller demander de l'or du peuple pour les pour fabriquer des images. Non, il était établi pour intercéder pour le peuple, pour sacrifier en faveur du peuple, offrir les animaux en faveur du peuple. Mais ce même peuple dira en gros à Aaron, cette fonction dans laquelle Dieu t'a établi ne nous intéresse pas. Nous voulons que tu sois quelqu'un qui fabrique des divinités pour nous. Et c'est ce que Aaron a fait. À cause de la pression, il cède. Il cède. Il prend leur or, l'or que Dieu leur avait donné en Égypte. Ils ont pris cet or, ils ont donné à Aaron. Aaron a préparé une espèce de moule. Et puis, il a pris son temps. Parce que là, quand vous lisez comme ça, là, c'est comme si c'est sorti par, hein, de manière magique, tout ça. Là, c'est... Non. Aaron a pris son temps, peut-être même des jours. Là, c'est le résumé là, de l'histoire. Il a pris son temps pour façonner, n'est-ce pas? Et quelle divinité? Eh bien, un veau d'or, un veau. Pourquoi le veau? Chez les Égyptiens, n'est-ce pas? Il y avait cette divinité qui était adorée, le dieu Apis. C'était un taureau, Apis, qui était assimilé à, n'est-ce pas, Osiris. Et ce taureau était adoré dans toute l'Égypte, comme la réincarnation, comme étant la réincarnation du dieu Osiris. Et tout le monde, toute l'Égypte l'adorait. Et quand ce taureau mourait, selon les historiens, quand il mourait, eh bien, on l'embaumait comme un grand roi. Et les Hébreux qui ont vécu pendant 4 siècles en Égypte ont vu les Égyptiens, n'est-ce pas, procéder de telle manière, adorer cette divinité, ce taureau. Et à chaque fois que ce taureau mourait, il fallait en trouver un autre. Et il fallait au moins 29 critères de sélection pour pouvoir dire que tel taureau est la réincarnation du dieu Apis que nous venons d'embaumer et enterrer. Vous vous rendez compte? Donc, c'était une grande divinité en Égypte. Et le peuple d'Israël a vu cela. Et ils ont été influencés par ce culte babylonien démoniaque, satanique. Ils ont reproduit cela dans le désert. Et c'est pour cela que vous verrez que beaucoup ici, là, ils sortent de leurs assemblées physiquement, hein? Mais vous allez voir que la doctrine de démons qu'ils ont reçue là est toujours dans le cœur. C'est pour cela qu'ils veulent reproduire. Pas seulement ici, partout. Et si vous n'êtes pas délivré au niveau de l'âme, je vais vous donner un conseil. Ne pensez pas parce que vous quittez physiquement une église où les démons régnaient que vous êtes délivré. Les démons, on peut les chasser facilement. Mais la doctrine des démons, là, tout ça, là, c'est là, là-dedans. Là. C'est comme une marque qui est là dans votre âme. Et il faut la vraie parole pour être nettoyée. Parce que sinon, vous allez reproduire les mêmes choses partout où vous passerez. C'est terrible. Hein? Vous prenez un Français, vous l'amenez dans un pays étranger. Il quitte la France, il quitte son pays où il y a des lois, des mœurs, tout ça. Là. Il va dans un autre pays où les mœurs ne sont pas les mêmes. Mais vous allez voir, naturellement, c'est naturel. Il va reproduire. Hein, les choses relatives à sa culture, ce qui est tout à fait logique, on est humain. Pareil, vous prenez un Africain, vous amenez en France, vous allez voir, il laisse son alimentation là-bas, il laisse tout là-bas, mais quand il va arriver, il va se fabriquer aussi sa petite Afrique. Hein? Son petit continent. C'est comme ça que nous sommes. Et sur le monde, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Pendant 10 ans, on vous a nourri avec des colloques sauvages, des enseignements qui élèvent l'homme, de Dieu, l'homme de Dieu, le plus grand apôtre, le plus grand prophète. Pratiquement, il y en a qui se mettaient à genoux devant les hommes de Dieu. Ils les adoraient pratiquement. Là. On voit les images, leurs images partout. On vous rentre dans le bâtiment de l'église, on voit les images de l'homme de Dieu, des hommes de Dieu partout. Donc, on est né dans ce système idolâtre. On nous a appris à adorer l'homme. Donc, du coup, quand vous entendez cette vérité, beaucoup, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, naturellement, ils veulent reproduire cela. Parfois même à leur insu. Parce que c'est naturel. Ça devient naturel. Parce que, ben, on a grandi dans un système.
Et le peuple ici à produire a fait la même chose. C'était naturel pour eux de se fabriquer un Dieu naturel. Et croyez-moi, ils étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Ils croyaient vraiment que Apis était le vrai Dieu. Parce que quand ils ont vu comment les Égyptiens adoraient ce taureau, ils se sont dit, mais là, ça, c'est le vrai Dieu. C'est pour cela que Dieu dira à ce peuple, dans la lettre de commandement, tu n'auras pas, tu ne dois pas représenter Dieu en image. Et vous avez vu, malgré le commandement, le peuple n'a pas tenu compte hein, de... Non, c'est dans le cœur, là, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le mélange. On nous a enseigné pendant des années que quand on a un petit bobo, il faut impérativement trouver quelqu'un pour faire un prophète. On nous a inculqué cela. Alors que les Écritures nous disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Vous voyez, non? Mais nous, on nous a tellement inculqué cela. C'est très catholique. Cette mentalité-là, elle est très catholique. Le fait de dire aux gens, si vous avez un petit bobo, allez voir un prêtre. On a été inculqué comme ça quand on était catholique. On arrive chez les protestants, c'est à peu près la même chose. On va dans les églises dites de réveil indépendantes, c'est encore pire. C'est encore pire. Du coup, le pasteur est celui qui gère tout. Un couple me disait avant-hier que dans l'assemblée où ils sont, alors que Dieu leur a donné à ce couple la grâce de chanter, s'ils doivent chanter, s'ils veulent chanter dans leur assemblée, il faut qu'ils aillent d'abord s'inscrire. Qu'ils aillent voir, il y a une dame qui s'occupe de la gestion de l'adoration, qui s'occupe de l'adoration pour donner leur nom, s'inscrire afin de, n'est-ce pas, d'espérer être appelé à chanter. Donc, vous avez vu, les gens qui sont nés dans ce système-là, qui ont grandi dans de telles assemblées, quand la vérité arrive, si la parole ne rentre pas bien comme il faut, ben, on reproduit aussi bien dans les maisons où vous êtes que partout les mêmes choses. Parce que ça devient des vérités, c'est là-dedans, là. C'est comme une impression, c'est comme s'il y a eu... on vous a marqué. Quelqu'un qui, depuis sa conversion, quelqu'un à qui on a toujours dit depuis sa conversion, eh ben, tu as un petit bobo, cherche un pasteur. Tu as un petit bobo, cherche un prophète. Cette personne-là, qui a toujours fonctionné comme ça, qui n'a jamais été encouragée à aller elle-même devant Dieu, à aller elle-même méditer dans la Bible et prier pour ses enfants quand ils sont malades. Cette personne qui a toujours payé sa dîme en se disant, je paye mon pasteur, lui il va faire tout pour moi, il va intercéder pour moi, il va lire la Bible pour moi. Cette personne-là, quand elle entend la vérité, si elle n'est pas totalement nettoyée, quand elle arrive là où la vérité est prêchée, elle voudra reproduire la même chose. Donc du coup, Dieu se sent aussi délaissé par son peuple à cause de cela. C'est pour cela, ici, quand il prend Moïse, le peuple se dit non. Aller directement vers Dieu, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, quand Dieu leur a parlé, vous savez ce que le peuple a dit au Seigneur? Hein? Que Dieu ne nous parle plus. Qu'on n'entende plus sa voix parce qu'on a peur. Toi, Moïse, va voir vers Dieu. Eh bien, croyez-vous penser que c'est fini, ça? L'homme est toujours comme ça. Comment vous, qui vous dites chrétien, chrétienne, vous pouvez encore avoir, pour ceux qui sont de l'Afrique, avoir encore, ou à des îles, avoir encore des prophètes au pays que vous appelez pour qu'ils intercèdent pour vous, qui vous donnent des messages sur votre avenir. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Comment pouvez-vous encore venir nous voir pour dire, je vais voyager en Afrique, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ton voyage en Afrique? Non. Une sœur vient me voir, est-ce que tu peux prier pour mes papiers? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec tes papiers? Où est le rapport là entre tes papiers, ta demande que tu as faite pour les papiers et moi? Quand tu es parti mentir que tu es dans un parti politique, moi j'étais là. Alléluia.
Parfois, on a des demandes de prière, on dit, mais est-ce que les gens comprennent même le message? Et du coup, quand les pasteurs voient ça beaucoup, ils se disent quoi? Eh bien, ils nous fatiguent, alors on met un tarif. Donc, je veux prier, amener une enveloppe avec 100 €, je veux faire une prière prophétique. Les gens vont donner parce qu'ils sont désespérés. Ils aiment ça. On paye le pasteur, comme ça, lui, il fait tout pour nous, et nous, nous restons dans l'oisiveté, on reste oisif, tout ça, là, et comme ça, il fait tout pour nous. C'est très catholique, ça. C'est comme un enfant qui a 5, 6, 10 ans et qui ne veut pas marcher par lui-même et qui veut toujours que sa mère soit à côté pour... Mais non, il faut qu'on enlève les béquilles. Dieu enlève la béquille du peuple ici, Moïse. Il enlève quelques jours. Là, le peuple dit, mais il nous faut une autre béquille. Et Aaron était là dans son ministère, dans sa fonction de prêtre. Le peuple va le voir pour lui proposer un autre métier, un autre travail. Aaron, oui, viens. Tu vas être un fabricant d'objets pour nous. Et quel objet? Eh bien, un taureau. Lequel? Apis. Et Aaron, vous savez, il aurait pu dire non, mais il a eu la pression. Combien de pasteurs ne veulent-ils plus prêcher la vérité parce qu'ils ont peur de perdre les membres? Combien de chrétiens ici qui n'arrivent pas à dire la vérité à leurs pasteurs, à leurs assemblées, parce qu'ils ont peur d'être, n'est-ce pas, délogés de leur fonction? Oui, ma soeur qui dort, merci. Oui, mais je sais que le pasteur, il n'est pas avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que toi, tu fais là-dedans, là? Tu es idolâtre. Tu es hypocrite, menteur, idolâtre. Tu passes ton temps inutilement parce que honnêtement, tu aurais pu rester chez toi. C'est vrai. Pourquoi vous gaspillez votre énergie, votre essence pour aller là où vous savez que ce n'est pas ça? Il faut arrêter. Et ce n'est pas moi qui vous dirai venez, c'est parce qu'ici aussi, on arrête. C'est pour ça, ceux qui veulent s'arrêter sur moi, là, ils sont mal barrés parce que moi-même, là, je ne veux même pas m'arrêter sur vous. Moi, là, je suis mon chemin, seul. Donc, vous serez déçus. Et vous ne le direz pas, c'est à cause de moi, parce que depuis des années, je ne cesse de dire, je suis un homme solitaire. C'est Jésus qu'on vous présente, vrai ou faux? Voilà, devant Dieu, je se quitte. Et très souvent, ce sont les femmes qui sont idolâtres comme ça, là, aussi. Je vous l'ai souvent dit, hein, les hommes, parfois, ils sont raisonneurs. Quand une femme dit, ah chérie, j'ai trouvé un pasteur, tout ça, la chérie, souvent les hommes traînent un peu du pied. Hein, ah non, mais tout, encore toi, ma chérie, encore toi. Tu as encore découvert quoi? Qu'est-ce que tu as encore découvert? Qu'est-ce que tu as encore? Hein? Qui encore là? C'est la cinquième personne que tu m'amènes là. Alors ensuite, une fois que je suis attaché là-dedans, tu viens pour me dire, on sort encore. Nous sommes dans une génération où c'est les hommes qui suivent les femmes maintenant. Alléluia. Vrai ou faux? Voilà. Chérie, oui, viens s'il te plaît voir. Il y a même beaucoup d'hommes qui ne veulent plus prier à cause de leur femme. Parce que quand une femme est emballée dans une affaire, là, pour l'arrêter, parfois les hommes qui ne veulent tellement plus de problèmes, ils se disent, vous me taisez. Et là, quand elle soit à fond pasteur, la fond sur un pasteur, là, c'est fini. Quand l'homme de Dieu vient venir à la maison, là, l'homme de Dieu, ah ben là, je vous assure, hein, c'est pour ça que beaucoup profitent. Aaron sort un taureau en or. Et Aaron et le peuple, tout le monde a dit, Israël, voici ton Dieu. Et ça, c'est grave. Un taureau qui devient Dieu. Vous vous rendez compte? Alors que Dieu a dit, vous allez dominer sur les poissons, sur les animaux de la terre. C'est dans Genèse, là-bas, Dieu l'a dit. Mais le peuple dit, Dieu s'est trompé. Nous voulons des taureaux comme Dieu. Comment un homme mortel qui respire comme toi, tu peux le prendre pour ton Dieu? Mais je ne comprends pas. Tu me diras, mais non, moi, je ne suis personne pour mon Dieu. Mais le fait de dire que, ah, si je ne vois pas, je suis mal. Mais tu es idolâtre. Le fait, vous, quand vous arrivez comme ça, là, vous dites, non, moi, je veux voir le frais, je vois tout ça. Là. On dit, non, non, je veux le voir seulement là, parce que Dieu m'a dit, tu es un idolâtre. Je te dis la vérité, il faut que tu te repentes. Parce que moi, j'ai des problèmes aussi. Tu veux me rajouter des problèmes? Alléluia!
Dis à ton voisin, lui-même aussi a des problèmes. Ben alors, est-ce que moi je t'embête chez toi? Dis à ton voisin, il faut aller embêter le Seigneur. Voilà. Parce que quand j'arrive là, ma tête parfois elle chauffe. Vous ne me voyez pas, je fais tout pour ne pas montrer. Ce n'est pas l'hypocrisie parce qu'il faut la sagesse. J'ai mes combats parfois, là, aujourd'hui, là, je viens, je partage, je salue les frères et sœurs. Vous arrivez encore, mais tu sais, j'ai mon dos ici qui est cassé. Tu sais, j'ai un problème de papier, tout ça là. Tu sais, j'ai une dent qui est bizarre. Mais je ne suis pas dentiste, je ne suis pas ophtalmologue. Je ne suis pas ophtalmologue, je ne suis pas frère, un généraliste. Tiens, ton voisin, il est comme toi. Vous voulez des bishops qui soient tout pour vous. Dentiste, ophtalmo, généraliste, cardiologue, psychologue, psychiatre, hein, agence matrimoniale, conseiller, je ne sais pas quoi là. Mais vous voulez un package? Mais le package, c'est Dieu lui-même, frères et sœurs. Hein? Il y en a quand tu les croises, là, tu sais pertinemment qu'ils vont te dire encore il y a une maladie qui s'est développée quelque part. Je vous dis, on est fatigué de toutes ces choses. Hein? Parfois, on les esquive, vous dites, cette fois-ci, je vais, bonjour, ça va? Oh, viens, non, je suis un peu fatigué là aujourd'hui. Là. Vous rigolez, mais c'est comme ça que vous êtes, beaucoup? C'est la vérité? Jamais, c'est rare de voir des gens qui disent, tenez bon, continuez, on prie pour vous. Non! Toujours faut, il faut demander. Donc du coup, bon, des harons comme ça, des pasteurs, ben, des prédicateurs, ils se disent, bon, cette fois-ci, on va s'organiser autrement. Je vais commencer à vendre des fioles, des petites fioles, hein, des fioles d'huile, là, tout ça, là. Et là, les gens vont acheter. L'huile d'Israël, les gens achètent. La terre d'Israël, on vous les vend ici, la terre, tout ça, là, les huiles, là. On vous achète. Parce que vous voulez toucher Dieu qui est invisible, vous n'en voulez pas. Vous voulez le matériel touché, palpé. Voilà pourquoi vous avez les statues de Marie, Sainte Vierge, je ne sais pas quoi là, le chapelet. On retrouve ça chez les musulmans. Les hommes veulent toucher, palper Dieu, toucher comme ça physiquement. Dès qu'on voit un homme que Dieu a utilisé une femme, on dit c'est lui Dieu. Il faut le toucher, il faut le palper comme ça, il faut palper. Voilà, les hommes, ils deviennent orgueilleux. Ils se croient tout permis après, je vous dis. Parce qu'une femme comme ça, qui dans l'admiration comme ça, si l'homme de Dieu dit non, t'es ma femme, là, elle va dire oui. L'idolâtrie vous pousse à la convoitise. Oh, je veux un homme comme lui, mais c'est un homme marié. L'idolâtrie, là, quand il y a la semence, là, ça te pousse à la convoitise. Du coup, tu vas commencer à comparer le prédicateur à ton mari. Ou ton mari à toi. Il faut que tu sois comme l'autre. Il faut que tu sois comme ci. Il faut que tu sois comme ça, chérie. T'as vu, il faut t'habiller comme ça. Hein? Mais le jour où le prédicateur ne va plus aller dans ton sens, il devient ton ennemi. Maintenant, il faut le tuer. On dit hier, c'était bon, aujourd'hui, c'est bizarre, c'est la sorcellerie. Voilà l'homme, l'idolâtrie. Parce que quand une idole ne répond plus à tes besoins, eh bien, on la tue. Pour ne pas que les autres en profitent. C'est comme ça qu'un fan a tué John Lennon. Voilà. Il aimait tellement qu'il a dit, il faut que je le tue parce que comme ça, plus personne ne va, n'est-ce pas, en profiter. Tac, le tue. Vous pensez que nos assemblées, il y a quoi là? Idolâtrie sur idolâtrie, ici partout, même ici partout. Il n'y a que ça. Très peu sont pour Dieu. Il y a un petit pourcentage. Le reste, là, c'est, ils veulent des idoles. Et je vous dis, hein, dans le système pastoral, là, beaucoup savent cela. Beaucoup savent cela. Et ils cultivent cela. Ils encouragent ces pratiques. Comment vous pouvez arriver jusqu'à porter la Bible d'un pasteur pour beaucoup d'Africains? Vous ne voyez pas que c'est l'idolâtrie? Là, c'est le paroxysme de l'idolâtrie. On porte la Bible de l'homme de Dieu et il y a une femme protocole qui marche devant, l'homme de Dieu suit derrière, tout ça. Levez-vous, portez, levez vos linteaux que le roi fasse son entrée. L'homme de Dieu entre pendant tout le monde. Ouh, idolâtre, vous allez en enfer comme ça là si vous ne vous repentez pas. Vous avez connu un pasteur qui était marié, vous avez connu sa femme dans l'assemblée. Le pasteur divorce avec sa femme, il prend une sœur de l'assemblée. Tout le monde trouve ça normal.
S'il n'y a pas de problème, c'est l'homme de Dieu, c'est entre lui et Dieu. Tu es hypocrite. J'étais une fois aux Antilles, à Martinique, un pasteur comme ça, là, une église baptiste. Hein, il prêchait l'évangile comme ça, là, bien comme il faut. Maintenant, là, il divorce et il trouve une petite jeune. Quand c'est comme ça, là, en plus, ils vont trouver une jeune fille, n'est-ce pas? Voire même, il y a 15 ans d'écart, là, 15, 14, 16 ans. Hein, pas de problème. Et 20. Et tout le monde trouve ça normal. J'arrive aux Antilles, il y a un problème ici. Hein? Les idolâtres sont assis. Ils sont idolâtres. Ils ne vont pas au ciel. Ici, là, même si le Seigneur revient, peut-être même il n'y aura peut-être même pas 40 personnes qui vont partir. Je vous dis. Hein? Parce que quand le Seigneur va revenir, beaucoup vont être lourds. C'est comme s'ils ont des poids, des kilos, des boulets auxquels ils sont attachés. Quand Dieu va venir pour enlever, il y a un boulet ici, c'est le mensonge. Tac, ça t'empêche de monter. Dieu veut t'enlever, il y a un boulet ici, mensonge. Tu as menti que tu étais membre d'un parti politique. Est-ce que tu es dans un parti politique? Non. Tu as menti là-bas à l'OFPRA. L'office de l'immigration, là. Voilà. Quand le Seigneur va revenir, tu ne vas pas monter parce que la femme que tu as là, est-ce que c'est la femme, ta première femme? Non. C'est la troisième, la quatrième, boulet. Rigolez. Ce jour-là, vous allez rire. Je vous dis, comme Dieu disait à Israël, tu es devenu comme un habile chanteur. Ça rigole parce que ça leur fait du bien. Dans le feu, vous allez rigoler. Moi, je crie. Hein. Ça devient marrant. Voilà. C'est ça le peuple. Vous êtes là, vous êtes chrétien, vous les Africains, quand vous mariez vos filles, là, vous allez demander de la dot. Vous êtes des sorciers. 1000 euros, 2000 euros, ça c'est la sorcellerie. Vous pensez que celui, c'est un sorcier, c'est celui qui vole seulement la nuit. C'est le caractère, les œufs de la chair, là, l'argent que vous aimez. Vous aimez tellement l'argent là. Vous êtes prêt à vendre vos âmes. C'est biblique. Qui vous a donné la dot? C'était sous la loi de Moïse. La dot, vous, la dot, là. Vous allez demander l'argent. Vous avez vu quelqu'un de la Bible demander de l'argent pour la dot? Ne demandez pas l'argent. Mais qui a demandé ça? Non. Il n'y a aucun parent. Non, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas les parents de... Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas les parents de Rebecca qui ont demandé. C'est Abraham lui-même qui a donné ce don-là. Ce n'était pas quelque chose qui avait été demandé. Non. Il faut que nos coutumes changent. Ça nous bouscule. Il faut qu'on devienne chrétien. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement qui s'opère là, à nous. Là. La Bible dit que ce n'est pas aux parents d'amasser, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Vous faites des enfants, vous allez demander la dot, 3, 4 000, 5 000 euros, 2 000 euros, tout ça. Là. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas vous plutôt les parents qui devez cotiser pour que le mariage de vos enfants réussisse? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas logique? Eh bien, tout ça là, c'est la sorcellerie. Voilà. Je sais que beaucoup m'ont rire de la liste des Africains, mais ça, ce n'est pas un problème. Je suis plus sur ça, je suis sur la liste du ciel. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Voilà. Ça dérange. On voit des chrétiens, ils se disent, alléluia, ils tombent sous l'onction. Mais quand il y a la dot, là, il faut voir. Ils ne sont plus chrétiens. Quand il y a leur mariage, vous allez voir, ils vont louer des limousines là-bas, 3000, 4000, tout ça là. C'est l'orgueil pour montrer. Et le lendemain du mariage, c'est la galère. Maintenant, ça vient demander la nourriture. Nous allons nous repentir de l'idolâtrie. Là. On idolâtre aussi le mariage. Là. Pour décorer une salle, 1000 euros pour décorer. Vous êtes idolâtre. Vous êtes des voleurs. De toute façon, même si vous ne le dites pas, je prêcherai. Vous êtes là, l'idolâtrie, le racisme là. Chrétien, mais quand vous avez des filles là, tout ça là, quand un blanc vient pour l'épouser là, vous vous levez pour dire non, c'est pas de Dieu. Vous êtes chrétien, vous là?
Quand un Antillais vient épouser votre fille, là, vous dites que ce n'est pas les Antillais qu'il faut. Non, quand c'est un Africain, vous les Antillais, vous allez dire que ce n'est pas ça. Vous, quand c'est un Noir, vous les Blancs, vous allez dire. Vous pensez, quand c'est un Arabe, vous dites que ce n'est pas les Arabes, ils posent des bombes. Tout est mélangé là-haut. Là. Vous devez vous repentir, frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis de la part du Seigneur. Hein. Ne m'acclamez pas, il ne faut pas acclamer, il faut écouter la parole de Dieu. Vous avez connu des pasteurs qui prêchaient pour l'argent. Moi, je ne suis pas là pour l'argent. Là, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, là, c'est moi, je veux craindre Dieu. J'ai peur de ces jugements-là. Je ne veux pas qu'il me juge. Ah non, moi, je n'ai pas de problème. Je vous dis, hein, quand on m'a parlé, là, quand la sœur a appelé pour la vision, pour me raconter la vision, comme il y a beaucoup d'idolâtres, vous savez que ça m'a fait, j'étais mal. Ah non, je ne veux pas mourir avant parce que mes enfants sont petits. Ah non. Je ne veux pas arriver devant le Seigneur pour qu'il me dise, tu es rentré plus tôt parce que tu... Ah non. Beaucoup de racisme. Le racisme, c'est l'idolâtrie. Parce que vous dites, moi, je suis antillais, je veux à tout prix un antillais pour ma fille. C'est l'idolâtrie. Tu es chrétien. Alors que la Bible dit que Yeshua a versé son sang pour briser les murs. Il faut se dire, si c'est un chrétien qui craint Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà le langage d'un chrétien. On est tellement passé par les assemblées, on ne nous a pas prêché la vérité, on nous a parlé de l'argent, donné, vous serez béni, qui n'a pas, il faut le prendre, vous le prenez les enveloppes. Vous avez vu Paul avec les enveloppes pour donner aux chrétiens? Oh pasteur, oh l'église de la prophétie, l'église de la prophétie. Vous êtes arrêté sur la prophétie, c'est ça l'église? Oh l'église, la manne cachée, tout ça là, c'est tout ça là, moi ça me, tout ça là, ça, c'est comme du fumeux là, tu sais, dans les narines du Seigneur là, tout ça là, c'est, ça nous amène en enfer. L'idolâtrie. Les a priori. C'est l'idolâtrie. Vous compliquez la tâche quand c'est le mariage de vos enfants. Vous compliquez, vous leur compliquez la vie. Là, ça choque là. Là, mes amis, là, eh ben ça va. Hein, nos cœurs aujourd'hui, là, ça va encore bien nettoyer, là, bien comme il faut. Là, parce que vous pensez, oh, ils chassent les démons, là. Les démons, ils partent parce que la parole est là. Hein. Donnez-moi un verset, vous avez vu le Seigneur prendre la dot de quelqu'un. Ou Jésus-Christ a enseigné sur la dot. Parce que c'est lui notre modèle, non? Donnez-moi un verset. Là. Il y avait la dot de vierge quand les vierges étaient violées. Mais c'est pas la même chose. J'ai des chrétiens qui viennent, un jeune couple est venu me voir, tout ça là. La mère a demandé 5000 euros, la mère de la fille. Je dis, quoi? 5000 euros. Et c'est des gens, parfois, tu vois, dans les assemblées, ils lèvent les mains. Alléluia, alléluia. Ils prennent sur les 5 000 euros de dot, ils viennent, ils donnent 5 euros pour la dîme, tout ça, là, et ça mange cet argent sale. Et quand tu envoies les prédicateurs, vous savez ce que disent les chrétiens? Non, il est trop dur quand même, là, il exagère, là. Voilà notre langage, là. Ah, il est trop dur. Je sais, en sortant d'ici, il exagère quand même aussi. Non, mais lui, il se prend pour qui, là, quand même, là, tout ça. Il n'est pas Dieu. Allez manger vos dots, là. Il n'y a pas de problème. Vous allez rembourser vos fils, là, vos filles, là, de toutes les dots que vous avez mangées, là. Vous allez les rembourser au nom de Jésus de Nazareth. Chacun a son compte, là. Aujourd'hui, là, mes amis, là, moi, le premier, là, tout le monde va passer par la casserole, là. Tout le monde va passer par le nettoyage, là. On va être nettoyé par la parole au nom de Yeshua. Vous êtes là, vous venez là, vous fumez, vous les jeunes là, un jeune garçon là. Tu fumes. Tu fumes, tu viens là, tu t'assois devant la tête, tu fumes. Je te vois en train de fumer. Tu es en train de détruire tes poumons avec la cigarette. Et les gens pensent que Dieu ne les voit pas, l'idolâtrie. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Eh bien, le Dieu de le Dieu mammon, là, l'argent, là, le Dieu, là. Qui n'aime pas ce Dieu ici, là, mes amis là? Le Dieu mammon. Tu ne peux pas servir Dieu et mammon. Eh bien, laissez-moi vous dire que la majorité, ça vous le savez déjà, de nos assemblées, eh bien, c'est mammon qui est assis dedans. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir un démon terrible qui est là.
Et les gens, quand ils adorent, lui, mangent leur adoration. C'est terrible. Hein? Il mange, il boit. Parce qu'on peut prêcher, il prêche, il prêche. À la fin, bon, appel de fond. Ceux qui ont 1000 euros, qu'ils viennent. Oh Seigneur. Le cœur du Père est blessé. Le cœur de Dieu saigne. Parce qu'on le blesse. On ne l'aime pas. On plante les idoles dans les cœurs. Dieu n'a jamais dit de chercher une église. Il n'y a aucun verset dans la parole qui nous demande de chercher les églises. Ah non, moi je n'ai pas d'église pour ça, j'en vais en chercher une. Qui t'a dit ça? Il n'y a aucun verset. Dieu dit c'est lui qu'il faut être recherché. C'est son nom qui doit être invoqué. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que la parole me dit, frères et sœurs. Il est temps que la réforme soit établie. Il est temps que nous revenions au principe de la parole de Dieu, frères et sœurs. Aucun autre nom nous est dit la parole. Aucun autre nom nous est donné. Aucun autre nom. C'est-à-dire quand tu dis que tu es baptiste, tu mets le baptisme au-dessus du nom de Jésus de Nazareth. Quand tu dis que tu es pentecôtiste, c'est le nom que les hommes ont donné. Tu mets cela au-dessus du nom de Jésus. Quand tu dis que tu es catholique, tu mets ça au nom. Oh, Seigneur, sauve-nous. Il a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Il n'a pas dit là où deux ou trois s'assemblent au nom du catholicisme romain, au nom de l'église pentecôtiste. C'est l'idolâtrie tout cela, frères et sœurs. Moi, je veux être sauvé. Je vous dis, ma famille et moi, nous voulons être sauvés. C'est ce qui m'importe au jour d'aujourd'hui. Je vais aller au ciel. Fini là. Si vous ne voulez pas y aller là, vous devez choisir là. Comme Josué disait là, moi et ma maison, nous voulons y aller là, frères et sœurs. Je vous dis. Ce message là que Dieu donne ici, elle n'est pas seulement par nous, par d'autres frères dans le monde. C'est le dernier pour nous préparer pour l'enlèvement. Ceux qui sont destinés au ciel se préparent, se sanctifient, ils vont partir. Ceux qui sont destinés pour aller en bas là, tout ça là, ils vont y aller. Quoi que vous fassiez, ils iront en bas. Parce qu'ils ne sont pas les enfants du royaume. L'idolâtrie. Une idole est une chose ou une personne dont on a du mal à se séparer. Toute chose dont tu as du mal à t'en séparer devient une idole. La nourriture, la télé, tout ça là, internet, je ne sais pas quoi, la cigarette, ta copine, même ta femme. Tu ne la vois pas pendant une heure, tu commences à la chercher partout. Tu es idole, tu es idolâtre. Comment savoir que tu es idolâtre? Si tu n'as pas les sous, tu n'as pas l'argent, comment tu réagis? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que il y a la dépression qui arrive? Voilà, parce que tu n'as pas l'argent, le Dieu maman, tu commences à te sentir mal parce que sa présence te rassure. Le fait d'avoir l'argent, si cela te rassure, tu es idolâtre de l'argent. Et c'est très dangereux. Voilà comment des couples sont brisés. Parce que le luxe est rentré, l'amour du luxe, l'amour de vouloir posséder pour démontrer aux gens qu'on a une belle voiture, une belle maison, qu'on a réussi sa vie. C'est ça la réussite de la vie? C'est faux! Si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit, Paul nous dit dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de pièges. Des billets de banque qui vont rester. Du papier. Et c'est ça, ça tue notre éternité. Ça tue notre vie éternelle. Ça tue, mais ça nous éloigne de cette vie, là, frères et sœurs. Voilà l'idolâtrie, frères et sœurs. On est prêt à toutes sortes de compromissions pour l'argent monnaie, pour les billets de banque. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout. L'idolâtrie. Dieu a pleuré, Dieu a eu mal. Le peuple dit, voilà, un taureau qui nous a délivrés. Un taureau. En or, qui les a délivrés. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Il est dit clairement là, pas dans nos versions de la Bible, là, tout ça, ça a été mal. Il y a un mot là qui n'a pas été bien traduit. Littéralement, il est dit que Aaron les a dénudés. En fait, ils étaient nus. Quand Moïse est redescendu de la montagne, il a trouvé, dans la King James, c'est bien mis,
dénudé. Lamartin, de 1744, il a mis dénué. À l'époque, ce verbe-là était compris comme étant la nullité. Là, c'est dénudé. Aaron les a déshabillés. C'est-à-dire le culte d'Apis était un culte, mes amis, qui se pratiquait avec des orgies sexuelles. C'était là, ils allaient ensemble les uns avec les autres, tout ça, là, sexuellement parlant. Là. Et quand Aaron redescend, il voit que tout le monde était nu. Quand Moïse redescend de la montagne, tout le monde était nu, corrompu. Le péché sexuel. Le sexe. Et c'est ce qui règne dans nos assemblées aujourd'hui, là, pratiquement. Vous avez vu comment ces hommes sont habillés? Vous avez vu comment ces femmes sont habillées dans les assemblées? Vous avez vu ces hommes habillés comme des femmes, des hauts très serrés, avec des décolletés très profonds. On voit leurs poils ici, la poitrine. Vous trouvez ça normal, efféminé? Vous devez vous repentir de votre habillement là. Tout ça, là. Vous n'avez même pas la honte de vous. Vous vous exposez comme ça, votre torse comme ça là. Vous n'avez pas honte? Vous allez porter des vêtements prévus, conçus par mes amis, par des homos, pour des hommes efféminés? La honte! Ces hommes retrouvent leur masculinité. Seigneur, sauve-nous. Dieu est en colère contre cette génération-là. Très en colère. Ça va être chaud, le jugement. Inclinons-nous devant sa majesté. Tous ensemble. Adorons-le, repentons-nous,
Lâche-la. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Quitte sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie nos vies, Seigneur. Purifie nos âmes, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos fautes. C'est toi le véritable Dieu que nous voulons adorer, servir, connaître, rencontrer. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, la majesté.
délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Délivre-nous de l'incrédulité, Seigneur. Des pensées impures. Célébrer.
Lâche-la. Sors d'elle, au nom de Jésus. Sors de ma sœur, sors de son corps, au nom de Yeshua. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. Jesus. Oh, Dieu est bon. David, tu peux prendre. Merci. Quand la parole vient, on est nettoyé. Elle est dure. Mais si vous restez, n'est-ce pas, dans l'incrédulité, vous passerez à côté. Il faut dire, Seigneur, oui, nous voulons nous repentir sincèrement afin d'être libérés. Nous voulons prendre nos veaux d'or et les jeter dehors. Au nom de Jésus. Si vous voulez que je continue à faire l'œuvre que Dieu m'a confiée, ne vous arrêtez plus sur moi, ni sur les frères et sœurs qui sont avec nous, qui sont vos frères et sœurs. Allez vers le Seigneur. D'accord? Et là, on va poursuivre la mission jusqu'au bout. Parce que vous aurez compris la parole de Dieu. Nous sommes au pied de la montagne. Yeshua est monté comme Moïse sur la montagne de Sion pour préparer une place. Et nous qui sommes restés au pied de la montagne, ne faisons pas comme les enfants d'Israël. Même si le Seigneur tarde à revenir, nous croyons qu'il reviendra. Et il est avec nous déjà en esprit. Et nous devons marcher avec le Seigneur et ne plus mettre la pression sur les ministères que le Seigneur a établis pour les corrompre. Se focaliser sur eux, il faut qu'on arrête afin d'aller vers le Seigneur. Et si on rencontre ses frères, si vous nous voyez, tout simplement encouragez-nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas nécessairement vouloir entendre les détails, vous savez ce que je vis. Tout. Non, Dieu sait toutes choses. C'est la première fois que tu viens ici, ma soeur? Ok, tu viens d'où? D'accord. Ok, tu étais dans un filet. On t'a mis dans un filet pour détruire ta vie. Le Seigneur te rend libre aujourd'hui afin que tu le serves. Reste dans la sanctification pour garder ta délivrance au nom de Yeshua. Il y a une personne qui traîne un cercueil qui est venue nouvellement ici. C'est la mort, tu sens la mort. Le Seigneur vient te rendre libre également de cette mort-là, au nom de Yeshua. Que la mort te quitte maintenant. C'est un ordre que je te donne. Tu vas lâcher ce corps et tu ne vas plus le posséder. Tu vas prendre tes affaires et t'en aller définitivement au nom de Yeshua. Oh, que la mort te lâche. Tous ces cauchemars en rapport avec la mort. Ton pied était déjà dans la tombe. Le Seigneur est venu te rendre libre. Tu vas t'en aller maintenant au nom de Yeshua. La mort quitte ce corps. Lâche ce corps. Un autre esprit qui est ici, là, qui casse, qui détruit tout ce que tu construis.
C'est un esprit destructeur. Le Seigneur vient te rendre libre également. Au nom de Yeshua. Quitte ce corps-là. Sors de cette femme. Au nom de Yeshua. Lâche ce corps au nom de Yeshua. Je dis lâche ce corps-là. Tu sais que tu es démasqué. Tu n'as plus aucun droit légal d'occuper ce corps. Je te donne l'ordre de t'en aller maintenant et de ne plus revenir dans ce corps. Au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus. Sors de là. 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 Lâche-la. Lâche ce corps au nom de Yeshua. Quitte cette jeune fille. Quitte-la. Quitte-la, je dis. Un esprit familial qui est la jeune fille. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Voilà ta délivrance. Voilà ta délivrance que tu attendais. Voilà la main de Dieu qui est sur toi. Qui brise ce lien. Qui brise ce lien familial. Qui brise la puissance de la sorcellerie dans ta famille, là, au nom de Yeshua. Lâche-la. Lâche-la, 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 lâche-la. Va-t'en d'elle. Quitte-la, je dis quitte-la au nom de Yeshua. C'est ton temps, c'est ton jour, c'est ton jour. Sors d'elle, voilà. Sors d'elle. Oh, alléluia, 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 alléluia. Quitte sa vie, tu sais qu'elle va servir le Seigneur. Quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Maintenant au nom de Yeshua, quitte sa vie. Toi, esprit des eaux que je vois là, lâche sa vie au nom de Yeshua. Sors de là. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Voilà. Assis, assis sur son trône. Les esprits des eaux qui sont ici, là, je vous ai vu. Dieu m'a montré vos actions, vos œuvres. Vous allez lâcher ces jeunes filles, garçons, afin qu'elles servent le Seigneur, afin qu'ils servent le Seigneur. C'est un ordre que je vous donne au nom de Yeshua. Les esprits de colère que je vois ici, là, cet héritage familial au nom de Yeshua. Lâche ce corps au nom de Yeshua. Lâche ce corps. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Tu vas lâcher sa tête que tu tiens là au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Sors. 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 Les deux là qui sont assises là, il y a une onction pour les rendre libres. Sortez là, Yeshua. Oh Dieu de gloire. Oh. C'est ton jour. Assis sur mon trône, il règne. Il règne. Il est assis. Amène-la-moi. C'est ton jour. Sors! Cette maladie que tu as là n'est pas de Dieu. Cette maladie t'a été jetée, t'a été balancée, t'a été... Tu es là, là, tu es là, là, tu es là, là, tu es là, là, tu es là, là. Je parle à quelqu'un ici, là. Ce démon est chassé maintenant et tu vas voir, cette maladie va partir avec. Tu vas refaire les examens, il n'y aura plus rien parce que l'esprit qui provoquait cette souffrance, cette douleur, Dieu le chasse au nom de Yeshua.
au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est un ordre que je te donne, toi, esprit qui amène cette maladie-là dans ce corps-là, non, Yeshua. Oh Dieu de gloire, magnifique est ton nom, Seigneur. Oh, tu vas servir le Seigneur, jeune fille. Tu demandais au Seigneur de te délivrer. Tu as cherché la délivrance. Tu as cherché à être touché par le Seigneur. Tu es là, assise, là, la femme. Oui, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te connaît. Voilà, il met sa main sur toi. Il met sa main sur toi parce que tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Voici ta délivrance au nom de Yeshua. Père, merci pour ta fidélité, mon Dieu. Sors de là. Lâche-la. Chut. Lâche-la. Lâche-la. Si tu vas la lâcher. Lâche-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà. Sors d'elle au nom de Jésus. Mm-hmm. Quitte-la. 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 Si, quitte-la. Si. Et bien sûr que si. Cet esprit était tellement caché. Il y en a d'autres là qui vont partir encore. Là. Le serpent que je vois là. Il y a encore un serpent qui était caché en elle, là, tout ça. Là. C'est le dernier là, le serpent. Là. Il y a trois serpents ici là qui sont en train de se communiquer. Trois serpents là, trois serpents. Je m'adresse à ce serpent là. Vous allez lâcher ces corps là. Vous allez lâcher ces corps maintenant. Il y a trois boas là, trois démons en forme de serpent. Là. Je m'adresse à vous maintenant. Vous allez, je brise l'alliance qui a été conclue entre vous, n'est-ce pas, et les familles de ces personnes. Vous allez lâcher ces corps au nom de Yeshua. Je dis maintenant, vous allez sortir. Voilà, ça sort, ça remonte et ça sort. Vous allez vomir ces choses au nom de Yeshua. Ton corps ne sera plus une habitation de cet esprit impur. À partir d'aujourd'hui, ton corps est ton corps, n'est-ce pas, est le corps du Saint-Esprit, le temple de l'Esprit de Dieu. Au nom de Yeshua, Dieu met le feu de sa parole en toi maintenant pour consumer les œuvres des ténèbres. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Mmh, au nom de Yeshua, ça remonte et ça part, ça remonte et ça part. Ça va sortir, vous allez vomir vos choses là. Vous allez vomir ces malédictions-là au nom de Yeshua. Remontez, sortez maintenant. Remontez, sortez au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh Alléluia. Jesus. Le Seigneur vous a gardé de la mort. Il vous gardera encore de toutes sortes de crises. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire, lâchez-moi ces jeunes filles, lâchez-moi ces jeunes filles. Un esprit qui est autour de ta taille, là, autour de ta taille, là, autour de ta taille. Tu as des douleurs parfois terribles au niveau de ton ventre. Le Seigneur est en train de te libérer, là, tu vas vomir cette chose, là, au nom de Yeshua, qui était cachée là depuis longtemps. Oh Alléluia, magnifique est ton nom, Seigneur, magnifique est ton nom. Oh Dieu de gloire, lâche-la, voilà, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, je dis sors d'elle comme ça, là. Lâche-la, lâche-la, au nom de Jésus. Mm. Oh Seigneur, merci. Oh Alléluia. Il y a un lien ici que Dieu veut briser, là, ici. Il y a un lien ici que Dieu veut briser, au nom de Yeshua. Quelqu'un est attaché ici, là, attaché. Tu sens, tu sais que ta vie est attachée parce que tu n'avances pas, tu tournes en rond. Tu le dis souvent toi-même. Il y a quelque chose. Ce lien-là, Dieu le coupe, au nom de Yeshua. Sors de ce lien-là, maintenant, au nom de Yeshua. Lâche, 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 au nom de Yeshua. Lâche, au nom de Yeshua. Oh, Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur. Mm. Est-ce que tu peux toucher son ventre, Marine, s'il te plaît?
un gros serpent qui reste là. Qui connaît, y a-t-il un Makiadi ici? Quelqu'un qui connaît Makiadi ici? Tais-toi et sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Makiadi. Alors, qui nous appelle, si nous suit? On l'a mariée, elle, là. On l'a mariée, là. On l'a mariée la nuit par des esprits. Plusieurs esprits. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Je crois que Dieu peut totalement la libérer. Quel est ton nom? Ton nom, démon. Ton nom. C'est un ordre que je te donne. Ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Qui croit que le Seigneur a peur quelque chose ici? Tais-toi au nom de Jésus. Maintenant. Tais-toi. Oh Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Dieu est bon. Il fait son œuvre. Vous avez une personne comme ça, avec autant de problèmes, des choses. C'est très dur d'avoir une relation normale. Parce qu'il n'y a pas que son corps qui est touché, il y a son âme et son esprit. On l'a enterré loin. Mais je crois que mon Dieu peut quelque chose dans sa vie aujourd'hui. Je le crois. Oh paix. Ma sœur, Jésus-Christ que je sais veut te rendre libre totalement. Mets-toi à genoux alors.
Bénissons-la. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, délivré. Seigneur, merci d'accomplir ta parole dans sa vie. Au nom de Jésus. Sois libre. Et que la paix de Dieu, amen, remplisse ton cœur. Alléluia. Sois fortifié. Tu es marié? Non, tu n'es pas marié. Trop de problèmes, hein? J'ai lutté. Tu as lutté. Ah ben, aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance. On a enterré ce mariage. Les gens ne vont plus la reconnaître. Oh, Seigneur de gloire. Nul n'est comme Jésus-Christ de Nazareth. Nul. 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 Il y a une personne qui fait des crises ici. Tu fais des crises, tu piques des crises. Le Seigneur te guérit entièrement. Fini ces crises, te dit le Seigneur. Fini. Fini. Au nom de Yeshua. Oh, paix. Dieu est bon. Qui a été guéri par le Seigneur ici? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a amené des preuves de sa guérison? Preuves médicales? Le problème de l'estomac, c'est guéri, c'est fini, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Ma. Avant que tu aies. D'accord. 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 Le Seigneur t'a guéri. Allez le voir. Gloire à Dieu. Waouh. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Là-bas, au fond, derrière. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Comment? Pour ton fils qui était, il était malade, hein? Il avait quoi? Laurent, on va lui donner le micro. Ça, c'est Makiadi qui appelle? Il n'a pas encore appelé, il va appeler. Plus fort, hein? Faut aller à Ivry, c'est juste à côté de la maison. Parce que son frère, en fait, est tombé malade. Pendant 3 ans, on ne savait pas pourquoi. Donc, mon fils avait une perte de mémoire, il faisait des trucs, un enfant de 27 ans. Donc, un matin, je n'ai rien compris, il faisait comme la folie. Il fumait, il a changé totalement, il a commencé. Bon, bref, les policiers sont venus le chercher parce que j'étais perdue. On l'a amené à l'hôpital, donc il a commencé à faire des hôpitaux pour rien, je ne savais pas pourquoi. Il n'a jamais été malade de sa naissance, tous mes enfants. Alors, je me suis mise à prier, à prier, à prier, aller dans les églises, mais je suis arrivée ici. Je ne sais pas quoi vous dire parce que les mots me manquent. Parce que mon fils, je suis arrivée le 15 août pour la première fois et je croyais que c'était pour mon fils, c'était pour moi-même.
j'arrive à l'assemblée, je suis tombée et puis j'étais délivrée. Et lui qui était avec moi, il est sorti subitement, il n'a pas attendu. 10 minutes après, il me dit, maman, il faut que je parte parce que demain, j'ai les amas à faire. Je dis, mais pourquoi? Nous sommes venus, je suis venue pour toi. Il est parti. En fait, quand moi j'ai été délivrée, lui aussi il a été délivré. Et aujourd'hui, mon fils, il a eu un fils. En fait, sa femme était enceinte. Moi, je ne savais pas. Lui aussi, comme il était perdu, il ne savait pas. Ils sont allés au Mans. Et là, sa femme est partie parce qu'elle était aussi perdue. Et là, sa femme a accouché. Ça fait 2 jours. Je suis allée au Canada. Ils ne m'ont rien dit. Au retour, j'ai trouvé que sa femme a accouché. Et lui, il est totalement guéri. Et il est impressionné de son fils. Et on l'appelait pour le travail. Or que depuis 3 ans, il ne pouvait rien faire. Il était perdu. Il était dans des hôpitaux. Ah, Dieu. Wow. Voilà. C'est pour vous dire que Dieu compris qu'on ne vient pas ici pour jouer. En fait, je ne sais pas quoi vous dire parce que je suis perdue. Là, je sais, j'étais au Canada et j'étais à l'Assemblée au Canada. Et j'étais bien accueillie aussi. Et on a baptisé mon deuxième fils qui allait aux études là-bas. Et c'est pour vous dire que c'est merveilleux. Dieu, accrochons-nous. Alléluia. Parce que sans Dieu, il n'y a rien. Magnifique, le Seigneur. Gloire à Dieu. Ceux qui veulent le baptême. Ouais. Ceux qui veulent le baptême, sont-ils? Qui veut le baptême aujourd'hui? Venez. Oh, on acclame le Seigneur pour leur vie. Magnifique, le Seigneur. Oh, que Dieu soit béni. Ça va, jeune fille? Quel âge as-tu? 11 ans, c'est bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va? Le Seigneur te libère. Jeune homme, que Dieu soit béni. Voilà. Magnifique le Seigneur. Et l'ami fidèle tant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Magnifique le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Magnifique. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Connais nos défaillances. Voyez tout ce que Dieu fait. Nous voulons continuer à vivre ces choses, n'est-ce pas? Donc soyons vraiment attachés à la parole du Maître. Waouh! C'est un grand jour pour vous. Un grand jour. Et vos noms sont écrits dans le livre de vie là-haut. Il y a une place qui vous est réservée là-haut. Ça, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Alors, vous allez suivre le frère qui est là, mon frère Mouba. Si tu peux lever la main. On va les baptiser tout de suite. Suivez-le. Gloire à Dieu. Et une sœur va pouvoir baptiser les femmes. Gloire à Dieu. Par là plutôt. Hein. Là, si tu peux sortir par là. Voilà. Suivez-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Ça va? Amen. Y a-t-il des personnes qui veulent recevoir Jésus-Christ aujourd'hui? Hein? Bien, venez. C'est quand on fait le baptême, on a déjà reçu Christ, donc c'est bon. Que Dieu soit béni. Bonne continuation. Amen. Je veux suivre Jésus-Christ. C'est bien, jeune homme. Alléluia. Toi aussi. Magnifique, le Seigneur. Gloire à Dieu. Venez, vous qui voulez suivre Jésus-Christ, vous qui voulez vous convertir à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique, le Seigneur.
Gloire à Dieu. Amen. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Ça va? Amen. Waouh. C'est beau. C'est beau. C'est une belle décision que vous avez prise, celle de suivre Jésus-Christ. Vous verrez qu'il y a des gens certainement qui vont se moquer de vous parce que vous suivez Jésus, mais il ne faut pas les écouter. D'accord? Vous avez des Bibles? Ok, Dieu soit béni. On va prier pour eux. Joël, tout ça, on va prier pour eux. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes au nom de Yeshua. Tu veux suivre Jésus? Waouh, toi aussi. C'est magnifique. Hein? Tu veux lui donner ta vie? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Prions pour ces personnes. Que l'ennemi retire sa main de ta vie maintenant. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Lâche-la. Sors, voilà, sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Prends cet enfant, il y a un démon qui est là. Sors d'elle, lâche-la, voilà. Lâche-la comme ça, sors démon. Lâche cette jeune fille. Quitte-la. Quitte-la comme ça, quitte-la, voilà. Sors d'elle, elle sort, sors. Sors d'elle au nom de Yeshua. Prions pour cette jeune fille, un esprit qui est là, là. Qui va sortir maintenant. Quitte, voilà. Quitte-la. Quitte-la comme ça. Va-t'en, allez, va-t'en, va-t'en, voilà. Allez, remonte, sors d'elle. Un esprit de mort. Un esprit qui veut qu'elle se suicide, qu'elle se tue, qu'elle meure. Dieu t'aime. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu n'as plus aucun droit dans ce corps, jeune fille. Dieu te dit, reviens à moi totalement. Et il veut toucher ta famille. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci, au Seigneur, trois fois cinq, plus que ça, amen. Tu dois mettre ta vie en règle, jeune fille, afin que sa gloire éclate dans ta vie, au nom de Yeshua. Tu es appelé à chanter pour le Seigneur. Tu vas chanter pour le Seigneur. Tu mets de l'ordre. Au nom de Yeshua. Jésus-Christ. Oh Lord. Lâche-la. Lâche-la aussi. Lâche-la. Au nom de Yeshua. Oh Alléluia. Au nom de Yeshua. Dieu t'a guéri au nom de Yeshua. C'est bon pour vous tous, que Dieu soit béni. Amen. Soyez les bienvenus chez nous. Merci Seigneur. Quelqu'un est guéri par le Seigneur de sa prostate. Ici, là. Un homme que Dieu a guéri de prostate. La prostate. Comment c'est? Tu as des troubles urinaires que le Seigneur vient de guérir, là, Yeshua. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Il y a une femme qui souffre d'hémorroïdes depuis des années que le Seigneur vient de guérir aussi, là. Il n'y aura pas d'opération pour toi. Le Seigneur Yeshua. Une personne est guérie par le Seigneur d'une maladie de la peau. Pareil, tu te grattes beaucoup depuis quelques temps. Tu as beaucoup d'émangeaisons. Et ça te démange. Une personne, l'eczéma, que le Seigneur a guéri au nom de Yeshua. Alléluia.
Oh, alléluia. Au nom de Yeshua. 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 Laisse-moi cette personne-là, que la peau que tu as mise sur elle soit enlevée, ôtée. Dieu te dépouille de cette peau de serpent qu'on a mis sur toi, au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Wow. Qui veut confesser un péché qui le pèse? Tu veux confesser un péché? Oui, oui, bien sûr. Sens-toi libre. Ok. Des avortements. Qui sont celles qui veulent confesser les avortements? Magnifique le Seigneur. Ah ben Dieu t'a pardonné. Gloire à Dieu. Et garde ta délivrance, mon frère. D'accord? Tu es là, tu as fait un avortement, ça te ronge. Ton âme est rongée de remords. Voici l'occasion que Dieu te donne pour être libre. Viens. Merci Seigneur, on acclame le Seigneur de gloire. Le Seigneur te dit, ma fille, je te pardonne, je te guéris en même temps. Il est ton Père, il est celui qui te connaît mieux que personne. Il va prendre soin de toi, il te connaît mieux que tu ne le penses. Il a commencé une œuvre avec toi qu'il va terminer, qu'il va achever. Il va conduire cette œuvre jusqu'à la perfection au nom de Yeshua. Et te donne l'intelligence et la sagesse pour aider les autres, pour aider des jeunes filles, au nom de Yeshua. Et tu vas beaucoup exhorter les gens, et te donne cette intelligence pour pouvoir exhorter, guérir par la prière les personnes malades. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir, tout ça. Le Seigneur te dit, je te sors de ta bulle afin que tu me serves véritablement, au nom de Yeshua. Et le Seigneur te dit, c'est lui qui t'a attiré ici pour te dire à quel point il te connaît, à quel point il t'aime. Il te dit, prends courage. Tu arriveras jusqu'au sommet de cette montagne, n'est-ce pas, grâce, n'est-ce pas, à ma parole. Prends le temps davantage de la méditer, ce que je dis, afin que ma gloire se révèle au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Magnifique le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Une onction là, mes amis, là. Ouf. Dieu de gloire. Que l'ennemi retire sa main de ta vie maintenant. Oh, alléluia. Tu sors, tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu lâches ce corps au nom de Yeshua. Avortement? C'est ça? Voilà, le Seigneur te pardonne. Au nom de Yeshua. Pareil? Avortement? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Pareil? Avortement? Joël, tu peux prier pour eux. Les jeunes qui sont là, vous voulez qu'on ait une réunion avec la jeunesse là? C'est les vacances, n'est-ce pas? Ça vous dit la jeunesse? Waouh! C'est la pensée qui m'est venue. Vous voulez qu'on se retrouve quand, la jeunesse? C'est férié, c'est les vacances. Ça nous manque, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être fortifiés, encouragés. Oh ouais. Sarah, tu peux prier pour elle, s'il te plaît. Merci. Jeudi dans la journée, c'est bon, ça vous intéresse? C'est férié, enfin c'est pas férié, mais c'est les jeunes c'est les vacances. Ça vous intéresse là? Qui est intéressé parmi la jeunesse? On a des choses à vous partager. À quelle heure jeudi? Joël, c'est possible jeudi là? Ah, tu pries pour lui. C'est bon? Vers quelle heure?
Midi, dans l'après-midi. Ok. À partir de 14h, c'est bon? Jeudi. Qu'on prie ensemble, qu'on partage. D'accord? Wow. Viens, ma soeur. Ouais. Jeudi, 14h, ici, pour la jeunesse. Voilà, si vous avez des questions, on va pouvoir répondre avec la parole. Jésus, je t'aime tant. Je t'aime tant, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur veut confondre tes ennemis. Tu vas beaucoup intercéder pour les autres, beaucoup prophétiser pour les autres. Le Seigneur va opérer. Le Seigneur a guéri. Le Seigneur t'a sauvé. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Il veut confondre lui-même tes ennemis. Garde le silence. Tu as assez pleuré. Seigneur, merci. Bénis cet enfant, mon Dieu Père. Les personnes pour qui on n'a pas encore prié, qui sont condamnées par la médecine, venez, et les sœurs qui sont là, les frères, vont juste vous toucher. Et ensuite, c'est bon. Pas forcément moi, mais soyez là, on va prier. Joël, ça. Céline, on va prier pour les sœurs. Vous les touchez simplement et puis c'est bon. Si on a déjà prié pour vous, c'est bon, pas de souci. D'accord, c'est plus les nouvelles personnes. Thank you.
Oh, Dieu est bon. Elle sort. Quitte-la. On peut acclamer le Seigneur là, ça sort. Sors d'elle. Elle sort d'elle. Elle sort d'elle. Elle sort d'elle. Oh Dieu de gloire. Sors. Elle sort. Sors. Sors d'elle. La mort. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Sors de son corps au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son corps maintenant. Jeune fille, Jésus-Christ que je sers te rend libre. Voilà. Au nom de Yeshua, finis ta souffrance. Maintenant. Fini. Le Seigneur te guérit. Te guérit. Te guérit. Maintenant. Au nom de Yeshua. Tu as assez pleuré. Tu as assez souffert. Le Père t'aime. Il te dit, ma fille, je t'aime. Et je te guéris. Fortifie-toi. Qu'il change ta vie à partir d'aujourd'hui. Il t'aime. Ne doute plus de cela. Il a vu toutes ces années de souffrance, des questions qui restent sans réponse. Et aujourd'hui, il te guérit. Tu vas beaucoup t'occuper des enfants. Tu seras beaucoup entouré d'enfants pour partager l'amour du Père. Et pour ta famille, le Seigneur te dit qu'il s'en occupe. Oh Dieu d'Israël, ton avenir est entre ses mains. Tu vas beaucoup faire les pays aussi pauvres pour apporter le témoignage de Yeshua. L'Amérique latine, l'Afrique, prépare-toi à cela. Oh Père, merci. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia.
Seigneur tout puissant, roi de gloire. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Soyons pour, là pour prier. Amen. Qui croit que Dieu est là? Tu es saint. Tu es saint, notre Dieu. Tu es Alain. Alain, tu peux venir nous aider, s'il te plaît. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Le Seigneur. You, Lord, my God. Oh, tu as le kumo. Repongi na kembo. Jesus, santo, oh Lord, my God. Chante dans ta langue créole, français, anglais, peu importe. Breton. Louons Dieu au Santo, Saint, Holy, 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 Lord God, Almighty God, Holy is the Lord. You are holy. Santo. Ah, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Jesus. Lâche, lâche, lâche là au nom de Yeshua. Lâche là au nom de Yeshua. Vous êtes de guérir ma soeur au nom de Yeshua. Au Santo. Au nom de Yeshua,
nom de Yeshua. Sort-elle, 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 sort-elle. Sort-elle, mon Yeshua. C'est l'amour du Père que tu reçois aujourd'hui. Dieu guérit ton âme blessée au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. Et une onction ici pour restaurer les cœurs brisés. Oh alléluia, alléluia, oh alléluia. Lâche-la, 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 lâche-la. Oh Dieu d'Israël. Lâche-la. Allez, sors, 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 sors. Je dis sors d'elle, sors d'elle. Là c'est au niveau de son ventre, là tu vas lâcher. Sors d'elle. Sors d'elle. Avec le vomi. Allez, remonte ça. Allez, remonte ça. Remonte ça. Remonte ça. Remonte ça. Remonte ça, non Yeshua. Prions Dieu. Son onction est là pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes de la maladie. Oh Dieu de gloire. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort. Ça sort au nom de Yeshua. Lâche-la. Lâche-la. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces délivrances? Toutes ces guérisons, ces délivrances. Que le Père reçoit la gloire, Jésus, notre Dieu. Dieu de gloire, les guérisons sont accordées à son peuple. Oh Dieu d'Israël, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Dieu soutient son peuple. Dieu veut aussi soutenir ton cœur, mon frère. Il veut te soigner en profondeur, te consoler, te fortifier. Ta vie n'a pas été facile. Dieu veut te soulager. Dieu veut être celui qui veille sur toi pour te soulager, t'encourager. Car tu as un cœur, le cœur sur la main pour aider, pour rendre service. Ça, c'est le cœur que Dieu t'a donné. Prêt à tout pour rendre service. Pour... Et le Seigneur te dit, médite beaucoup ma parole parce que j'ai à te parler. Alléluia. Wow. Dieu est bon. Les choses sortent, les guérisons s'opèrent. Oh, alléluia. Ah, c'est magnifique. Cette jeune fille que Dieu délivre. Oh, alléluia. Qui veut mettre le péché derrière lui? Merci, Seigneur. Merci Seigneur.
Nous voulons dire merci à Dieu pour tout. N'est-ce pas? Merci à Dieu pour toutes choses. Car il mérite vraiment la gloire. D'accord? Alléluia. On a compris que désormais on va, hein, n'est-ce pas, on va venir que pour le Seigneur. On est d'accord, hein? Gloire à Dieu. L'adorer, le servir, l'exalter. Oh, alléluia. Lâche-la. On a des choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Toute la gloire doit monter vers le ciel. Tout. 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 Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Tous ensemble, avec nos mains.
avant, maintenant plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Jésus, Jésus. Seigneur notre Dieu, merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci, merci. 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 Est-ce qu'on peut acclamer tous ensemble le Seigneur, mes amis? Il mérite vraiment toute la gloire. Merci, merci Père, merci Papa. Merci pour tout. Merci. Il y a juste deux ou trois annonces qu'on va vous faire. Si on peut prendre place, après on finit. La présence est parmi nous. Vous avez vu le t-shirt que je porte? C'est celui que l'on va... En fait, vous voyez, c'est la Bible de Jésus-Christ. Vous avez vu?
Hier, les frères m'ont fait une belle surprise. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, on va en commander quelques-uns pour offrir. Et voilà, donc si quelqu'un veut se la procurer, ben, on vous donnera l'adresse. Vous pouvez aller vous le faire vous-même. Voilà, la Bible de Jésus. Donc, pendant la veillée du 19 prochain, donc décembre prochain, et seuls ceux qui porteront ce t-shirt qui auront le droit de vous distribuer la Bible de Jésus-Christ. Pour pas qu'il y ait des problèmes. Voilà. Parce que comme on attend à peu près dans les 4 à 5 000 personnes, et, on va être beaucoup débordé, hein, il faut s'organiser un peu. Et on découvre vraiment des choses magnifiques. Terribles. Et ça fait plus de 2 semaines à peu près qu'on est enfermé à côté pour travailler. On travaille du matin au soir. Et on continue jusqu'à 4h, 5h du matin. Et on reprend à 9h30, 10h, 11h. C'est très, très dur. C'est pour cela, s'il vous plaît, à la fin, ne venez vraiment pas nous... Voilà. S'il vous plaît. Amen. Je vous salue, il n'y a pas de problème, mais on est vraiment occupé à finir ce travail. Voilà. Et cette Bible va vraiment aider beaucoup. Le Seigneur vraiment ne fait rien au hasard. Et plus ça va, plus on découvre des choses qui ont été mal traduites. Et c'est beau. C'est beau ce que Dieu fait. Et ensuite, demain dimanche, pour ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, l'Autriche, ou Strasbourg et l'Alsace, nous serons à Stuttgart, en Allemagne. Avec l'équipe de TV de vie. Et donc, pour un programme de réveil l'information, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site de TV de vie. Donc, il y a tout ce qu'il faut comme information. Et voilà, donc le programme commence logiquement à 10h demain à Stuttgart. Donc, on va commencer un peu, comme vous le savez, à tourner comme ça. Et le 9 et le 2 novembre, nous serons à Nice. Pour ceux qui sont du côté de Nice, Marseille, tout ça, on y sera. Le 9 novembre, on sera à Nantes. Donc il y a une bonne mobilisation. On ne sera pas dans une salle d'église, mais c'est dans un hôtel. On a loué une salle là-bas. On veut vraiment être complètement indépendant pour pouvoir bien parler et ne pas amener les âmes dans les églises pour qu'elles soient gérées par les pasteurs qui, très souvent, veulent mal se comporter. Comporte mal parfois et contrôlé. Donc, notre message est clair. Nous ne voulons pas amener les gens dans les assemblées. Nous voulons amener les gens à Dieu. Et c'est Dieu qui vous dira avec qui prier, avec qui vous assembler. Ce n'est pas à nous de vous conseiller les églises. Notre mission n'est pas là. Nous ne sommes pas là pour créer une nouvelle dénomination, créer une nouvelle église. Ce n'est pas ça. L'église a déjà été bâtie par le Seigneur. Il n'y en a qu'une. Je bâtirai mon église, le Seigneur a dit. D'accord ? Donc, voilà, nous ne cassons pas les églises pour récupérer les âmes. Ce n'est pas ça notre message. Nous ne cassons pas les assemblées. Nous voulons fortifier les assemblées qui servent le Seigneur réellement avec cet évangile du retour de Yeshua. Voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur nous. Ça, je crois que vous l'avez compris. Allez plutôt vers le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Donc, dès samedi prochain, eh bien, il n'y aura plus de place de réservée. Voilà. Donc... voilà, tout ça c'est réglé. Quand on va arriver désormais, on va se dire bonjour les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Même tout à l'heure, avant de partir, regarde ton voisin, ta voisine. Hein, tu vas lui faire un saint baiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Demande à celui qui est à côté comment il s'appelle. C'est important. Hein, d'où tu viens, tout ça. C'est important. On n'est pas des étrangers quand même. Voilà. Là, voyez, vous m'avez précédé, vous commencez à le faire tout de suite. Très bien. Et voilà. Ça marche. Oui, Laurent. Une dame qui veut confesser. Allô?
Allô? Je sais que vous voulez appliquer la parole. C'est bien, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonjour, tu nous appelles d'où? De Lyon. De Lyon, qu'est-ce que tu veux nous partager? C'est quelque chose de pas très joli, c'est une confession que je voulais faire parce que je suis fatiguée, j'ai perdu beaucoup de temps dans les assemblées, je n'avais jamais appris qu'il fallait que je confesse le péché et en regardant vos vidéos, j'ai compris que la confession publique, bon, quoi que là, c'est pas public, mais... Je demande quand même de confesser, j'ai confessé à Dieu, mais je sais que rien ne change. C'est que quand j'étais mariée, j'étais dans l'adultère, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai commis cet acte. Et qui... Je sais que ça me cause beaucoup de tort. D'accord. Oui. Donc tu confesses l'adultère, c'est ça? Oui, l'adultère que je confesse, et puis la masturbation. D'accord. De façon subite, je marchais sur votre trottoir pour entrer chez moi et quelqu'un qui a chirurgie qui m'avait retiré m'a mis en main un petit papier et moi, en regardant la personne qui m'a fait une sorte de visa, je lui ai dit, tiens, un petit vieux comme moi, je vais avoir dans le quartier, peut-être quelqu'un avec qui discuter puisque je n'ai pas d'amis, j'ai une personne. Allô, on ne comprend pas bien, mais on a compris que vous voulez confesser l'adultère, donc que Dieu soit béni. Et je vous repasse Laurent et puis il va prier pour vous. Hein? Que Dieu vous garde en tout cas. Et merci pour ce courage. Voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, le 19, on est où là, le 19 déjà là? On est à Sarcelles, ça vous le savez. Et vous continuez à nous soutenir dans la prière, on a besoin hein, de vos prières. Couvre-nous par vos prières. Comment? C'est depuis? C'est ta tante? Ton papa? Qui, Makadi? Ah ben, il est là? Ok. Ben, je viens te voir, viens nous voir à la fin. Voilà, donc, faites ce que Dieu vous met à cœur pour aider l'œuvre qui se fait dans la liberté, même par rapport au 19, sentez-vous libre comme Dieu vous conduira, d'accord? Que Dieu soit béni. Donc. Eh ben, les drapeaux, si quelqu'un veut amener le drapeau de son pays, pour, y a pas de problème. Mais il n'y a pas de souci, dans la liberté. Voilà. Donc.